Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose donc d'ouvrir cette séance dans le relais Saint-Gilles. C'est vrai qu'on est, on n'est pas habitué de cette salle et on se retrouve un peu serré. On avait perdu l'habitude. Mais enfin, ça fait quand même plaisir quelque part de retrouver notre salle de conseil. Désignation donc de la secrétaire de séance Alexandra. Je vais passer donc à l'appel nominal des conseillers municipaux, M. Edgar Barbe, moi-même, Daniel Breton, Samuel Charel. Donc il va arriver, donc il est en retard. Christine Croigueil-Barreau, Philippe Deveille, Brigitte Dirix, Nicolas Angestein, Paul-Éric Philly. Il est absent, il donne pouvoir à Clérug, excusez-moi. Brigitte Friès, Christelle Gaëtan-Hulas, Florent Jambeau qui arrivera en retard parce qu'elle est dans les bouchons, elle va téléphoner. Anne Goudy qui donne pouvoir à Florence Jandreau. Bruno Gris qui doit être en retard, je pense. D'accord. Corinne Guignard, Joël Herbin, Antoine Hubert, Claire Hugues, Yvonique Cabriouplair, Jean-Claude Landron, Yvon Le Duron, Donatienne Leparoux, Agnès Lussault, Marie-Paul Marié, Patricia Michel, Jean Montaville, Alexandra Nicole, Patrick Prin, Isabelle Rondrino-Degène, Serge Rousseau, Artak Sacagnan, Dolores Thibault et Christiane Van Gothem. L'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 mai, n'ayant reçu aucune observation, je procède donc à l'approbation du conseil municipal du 6 mai dernier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Donc vous avez sur la table donc les documents qui sont... Vous trouvez donc sur le tableau les décisions prises en application donc des délégations qui ont été confiées à moi-même par le conseil municipal. Et je vous propose donc d'ouvrir le chapitre 1, l'aménagement du territoire, avec la révision du plan local donc, d'urbanisme de la ville de Pornic, avec le bilan de la concertation et de l'arrêt du projet que vous avez en annexe numéro 1. Donc je suis très heureux que l'arrêt du PLU soit à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Enfin, pourrait-on dire, car les prescriptions de la révision datent de décembre 2016. Déjà, pourrait-on dire, car depuis le renouvellement de l'équipe municipale, c'est-à-dire tout juste 2 ans, la somme de travail réalisée pour refonder totalement le projet envisagé initialement et le mener à son terme est colossale. J'ai donc tout d'abord une pensée amicale et reconnaissante pour les 16 élus membres du comité PLU, titulaires et suppléants, qui au gré de ces 61 réunions depuis février 2017, dont la moitié sur cette nouvelle mandature, se sont mobilisés de manière intensive pour dessiner collectivement semaine après semaine, le projet d'aménagement de notre ville pour les 10 ans à venir, sous la bonne garde d'Edgar Barbe, mon adjoint à l'urbanisme, que je remercie vivement. La complexité d'un tel projet a nécessité une forte implication de leur part et de la pédagogie de la part des services, des bureaux d'études et de nos avocats, qui nous ont accompagnés depuis le début. Je salue particulièrement le travail d'Angélique Thuillet, directrice de l'aménagement et du patrimoine, et de sa direction qui ont porté ce dossier. La création du service patrimoine en octobre 2020 nous permet de construire une véritable politique patrimoniale, traduite concrètement dans le projet du PLU et dans des actions de valorisation comme la sensibilisation au patrimoine effectuée dans le cadre du passeport du civisme pour les scolaires, les circuits patrimoniaux disponibles à l'office de tourisme, les visites commentées lors des journées du patrimoine et très bientôt les livrets-jeux sur la thématique des plages de Pornic. Ce service patrimoine travaille conjointement avec le service urbanisme, pivot de l'application du PLU. Le rôle du service urbanisme est essentiel dans la bonne compréhension des règles par la population et dans leur application la plus stricte au service d'une ville préservée. Le travail fourni par ce service est souvent méconnu, parfois incompris, mais il est indispensable et je tiens ici à le saluer. Le projet de PLU, qui est ce soir soumis au vote du conseil municipal, a été co-construit à chaque étape. Il reflète notre vision de Pornic à horizon 2033. Ce PLU porte de fortes ambitions, répondant aux enjeux identifiés au rapport de présentation, affirmé dans le projet d'aménagement de développement durable et décliné dans les documents réglementaires du PLU, orientation d'aménagement et de programmation, règlement écrit et graphique, annexe. Tout est ainsi chaîné. Un enjeu entraîne une orientation puis une règle. Ceci afin d'agir concrètement, efficacement et dans la plus grande clarté vis-à-vis de la population. Quelques exemples qu'il me semble important à citer. Premièrement, la protection des paysages de la façade littorale, enjeu majeur de notre ville. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure en évoquant le site patrimonial remarquable, le SPR,
Et le PADD donc affirme cette préservation des paysages emblématiques du trait de côte. Pour atteindre cet objectif de protection affiché dans le PADD, différents outils sont mobilisés sur le secteur côtier, zonage patrimoniaux, prescriptions graphiques, orientation d'aménagement et de programmation. Les règles associées aux prescriptions graphiques, bandes de littoral inconstructibles, inventaire et protection des bâtiments patrimoniaux, des arbres et des boisements d'intérêt, sont cumulatives avec d'autres règles, en particulier le coefficient de naturalité associé au zonage, des secteurs patrimoniaux, zonage spécifique pour les quartiers littoraux, etc. Ainsi, dans ces secteurs côtiers patrimoniaux, le projet doit s'inscrire dans le respect du tissu urbain existant afin de maintenir ses qualités et spécificités. Le renforcement de la présence du végétal sur tout le territoire communal, la protection de 542 arbres contre 5 dans le PLU de 2011, de 280 hectares d'espaces boisés contre 155 aujourd'hui, près de 1000 km de haies alors que nous n'en avions que 10, consultables par tous les citoyens sur le plan de zonage, mais aussi des obligations de plantation d'arbres de haut jet pour tout projet de construction fixé en fonction de la taille des parcelles. La nécessaire économie d'espace pour préserver donc les espaces agricoles et naturels, mais aussi dans l'objectif de répondre aux lois d'aménagement, et notamment la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU, du Grenelle de l'environnement de 2010, de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, la loi du 24 mars 2014, dite loi Allure, de la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi du 27 novembre 2018, dite la loi Élan, et plus précisément la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Ces lois fixent des cadres contraints dont les objectifs louables sont parfois difficilement conciliables. C'est sans doute sur l'économie d'espace que les derniers textes se montrent le plus stricts et que notre PLU se trouve le plus contraignant, puisqu'il réduit les zones constructibles de près de 550 hectares, près de 400 hectares en extension d'urbanisation rendue à l'espace agricole et 150 hectares environ dans les secteurs ruraux. À ce sujet, l'effort qui pèse sur la population est important puisque seuls 8 villages restent constructibles en densification contre une trentaine dans le PLU de 2011. Ceci pour répondre aux injonctions donc du préfet de respecter la loi littorale. Cette économie d'espace a pour corollaire la recherche d'optimisation du foncier à l'intérieur de la ville. Le PLU identifie donc les gisements utilisables à des fins de construction de logements. Nous connaissons les problèmes de logements rencontrés par une partie de la population, notamment les jeunes. C'est pourquoi le PLU affiche des objectifs de construction de logements sociaux à la fois locatifs à 25%, mais aussi en accession aidée jusqu'à 15% selon les secteurs. Je m'arrête un instant sur la notion de parcours résidentiel, puisque le PLU s'attache à ce que chaque porniquet soit en mesure de réaliser ce parcours résidentiel. Il s'agit de proposer sur la commune des logements adaptés à chaque situation, notamment en termes de revenus, le cas échéant au handicap et aux évolutions de la famille, naissance, départ d'un grand enfant, décès, etc. Et aux différents âges de la vie, logements spécifiques pour les jeunes travailleurs par exemple, comme la quarantaine qui vont être livrés dans les tout prochains jours et le projet de 60 autres à venir sur l'ancien site prévu pour une résidence de tourisme côté du casino. De nouvelles offres orientées vers les primo-accédants émergent, par exemple le logement à bail réel solidaire, permettant d'être propriétaire du logement sans l'être du foncier, ce qui garantit un niveau de prix raisonnable à l'acquisition et à une plus-value limitée à la revente. Ce type d'offre a l'avantage de permettre aux jeunes de faire un premier pas vers l'accession à la propriété et de se constituer un apport pour une seconde acquisition dans le parc non réglementé. Les premiers logements de ce type sortiront en 2023, et sont aujourd'hui intégrés dans tous les programmes de logements collectifs et dans nos ZAC. Sur les logements sociaux, nous nous sommes engagés dans une démarche active de construction et d'ici 3 ans, c'est près de 250 logements sociaux supplémentaires qui seront construits, là où le PLH en demande 50 par an. Plus globalement, les 2000 logements qu'il nous faut produire à l'échéance du PLU pour répondre à nos obligations et accueillir 200 nouveaux habitants par an se construiront au moins pour moitié dans l'enveloppe urbaine existante. En premier lieu sur les axes d'entrée qui ont fait l'objet d'études particulières pour que la densification soit raisonnée, acceptable et qualitative. Cette notion de qualité irrigue l'ensemble du projet puisque la protection du patrimoine maritime, architectural et rural de la ville fait également partie des orientations phares du PADD. Avec la mise en place de secteurs patrimoniaux dans la ville et les bourgs-centres, et ainsi que sur les corniches balnéaires, mais également dans certains hameaux patrimoniaux.
Ces secteurs auront des règles plus exigeantes en matière de construction et de rénovation du bâti pour préserver la forme urbaine originelle. Ils font déjà l'objet d'une forte protection vis-à-vis de la publicité qui est interdite depuis l'approbation de notre règlement local de publicité, voté à l'unanimité lors du dernier conseil municipal. Autre sujet essentiel, la mobilité, qui se traite à l'échelle de la ville, mais aussi de l'agglomération. Pour encourager les déplacements doux, le PLU prévoit des emplacements réservés qui permettront de continuer à développer des liaisons cyclables, déjà 39 km de voies cyclables aménagées ou matérialisées, et autant de nouvelles à l'horizon du PLU, pour relier les différents quartiers de la ville. Pour gérer l'afflux des voitures le week-end et l'été, d'autres emplacements réservés sont identifiés pour créer des parkings relais en entrée de ville, pour inciter les visiteurs à se déplacer dans le centre-ville à pied. Il ne me sera pas possible de détailler davantage toutes les orientations, toutes les règles connues dans le PLU, car elles sont nombreuses, mais sachez qu'elles visent toutes le même objectif, améliorer le cadre et la qualité de vie des Porniquais. Un mot également des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, en premier lieu les forces vives de territoire, les associations de quartier, les associations de protection et de valorisation du patrimoine et de l'environnement, la Société des historiens du Pilray, les professionnels du bâtiment, de la construction, de l'immobilier, du notariat, les paysagistes et les agriculteurs. Ces acteurs locaux ont répondu présents à nos sollicitations et ont permis d'alimenter, consolider, améliorer notre projet commun. Enfin, je citerai les personnes publiques associées qui ont également participé à la construction du PLU en accompagnant la ville à toutes les étapes importantes du projet. Les échanges parfois vifs qui ont résulté de nos différentes rencontres nous ont permis de sécuriser le PLU et d'affirmer aujourd'hui que ce projet est garant de l'intérêt général, qui n'est pas, comme chacun le sait, la somme des intérêts particuliers. Car en effet, comme la plupart des littoraux français, Pornic recèle des milieux écologiques à la fois riches et fragiles, a subi une pression à l'urbanisation ces deux dernières décennies, liée en particulier à sa proximité avec l'agglomération nantaise, et concentre à certaines périodes une population importante où le loisir et autres activités économiques prennent toute leur place. La vulnérabilité de notre territoire littoral est aggravée par l'élévation du niveau de la mer et la multiplication des événements climatiques extrêmes, conduisant notamment à une augmentation du nombre et de l'intensité des inondations. Notre rôle en tant qu'élu est de gérer, protéger les ressources de notre territoire, tout en assurant les conditions de son développement. C'est aussi faire face aux risques, obéir à des réglementations contraignantes, subir la pression foncière qui peut rendre difficile l'accession à la propriété, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est à tous ces enjeux qui peuvent sembler contradictoires que la révision du plan local d'urbanisme, le PLU, doit s'attacher à répondre. Nous devons aujourd'hui prendre toutes ces questions à bras-le-corps et imaginer le meilleur projet possible pour notre ville, un projet qui permet aux générations futures d'envisager l'avenir sereinement. Cela nécessite des efforts de chacun pour tendre vers davantage de sobriété. Il nous faut donc prendre des décisions ambitieuses, même si j'ai conscience que certaines situations individuelles peuvent être difficiles, que ce soit sur la réduction de la consommation d'espaces agricoles et naturels, la forte limitation de l'imperméabilisation des sols, la préservation des zones inondables rendues inconstructibles, la protection du patrimoine bâti, naturel et paysager, la réduction de la place de la voiture dans la ville pour laisser une place plus grande aux piétons et aux cyclistes. C'est bien tout l'objet du PLU, et je crois pouvoir dire que le projet que nous portons nous aidera à faire face aux grands défis sociaux et environnementaux qui se présentent à nous. En conclusion, et avant de passer la parole à M. Barbe, adjoint d'urbanisme, je remercie une fois encore toutes les parties prenantes de ce projet, qui est la pierre angulaire de la politique d'aménagement de la ville sur les 10-15 années prochaines, et qui, j'en suis sûr, contribuera à la préservation de nos si beaux paysages et au bien vivre ensemble. Je vais donc laisser Edgar pour présenter la note de synthèse. Révision du plan local d'urbanisme de la ville de Pornic, bilan de la concertation, arrêt du projet, c'est l'annexe numéro 1. Par délibération en date du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a prescrit la révision du PLU de Pornic, défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Les travaux de révision du PLU de Pornic arrivant à leur terme, le Conseil municipal doit maintenant tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de PLU qui sera ensuite soumis aux consultations réglementaires et enquêtes publiques. Des outils variés ont été mis à disposition des habitants tout au long de la phase d'étude du PLU, registre, site internet, exposition, du lancement jusqu'à la phase arrêt.
Une mobilisation significative des habitants a été observée, notamment lors des deux réunions publiques organisées, avec au total près de 550 personnes ayant participé. Les habitants ont également pu, via leurs associations de quartier, prendre connaissance des différentes réflexions en cours et surtout les alimenter. Parallèlement à ces supports de concertation ouverts à tous, il convient de noter que de nombreuses demandes individuelles ont été formulées auprès de la mairie de Pornic. La plupart des sollicitations concernent les demandes de constructibilité. Enfin, le monde économique a également pu participer aux réflexions relatives au PLU via les 5 réunions spécifiques dédiées et au quotidien dans le cadre de rendez-vous. Pendant cette phase de concertation, les forces vives et le monde socio-économique du territoire, la population, se sont exprimés sur de nombreux sujets. Le bilan de la concertation est annexé à la présente délibération. En détail, la démarche. Par ailleurs, les personnes publiques associées ont été consultées tout au long de la procédure, lors de 3 réunions spécifiques, mais aussi à l'occasion de rencontres bilatérales avec la DDTM, le département de Loire-Atlantique et le PETR du Pays de Ré. Le projet de PLU est maintenant soumis à l'examen du Conseil municipal. Les personnes publiques associées, consultées et les autres organismes concernés seront sollicités pour faire connaître leurs observations ou propositions éventuelles dans un délai maximal de 3 mois à compter de la transmission du projet de PLU. La procédure d'enquête publique est programmée au second semestre 2022. À cette étape, le public pourra consulter l'intégralité du dossier, le bilan de la concertation, l'avis des personnes publiques associées, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale et exprimer à nouveau le projet en émettant des observations auprès d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête. Après les ajustements du dossier qui pourraient s'avérer nécessaires au vu des résultats de ces consultations et de l'enquête publique, le dossier définitif du PLU devrait être soumis pour approbation au Conseil municipal au premier semestre 2023. Le comité de pilotage pour la révision générale du PLU, réuni le 2 juin 2022, a validé à l'unanimité le bilan de la concertation et le projet de plan local d'urbanisme. Le projet de plan local d'urbanisme a été mis à disposition des conseillers municipaux via un lien transmis par mail le 13 juin 2022. Le conseil municipal est invité à en délibérer et considérer que la procédure de concertation sur le PLU de Pornic s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L133-2 du Code de l'urbanisme et qu'il ressort du bilan de la concertation que les modalités de la concertation préalable prévues dans la délibération du 16 décembre 2016 ont bien été mises en œuvre. Approuver le bilan de la concertation joint en annexe, clore la concertation, arrêter le projet de plan local d'urbanisme de la ville de Pornic tel qu'il a été transmis le 13 juin 2022, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à accomplir et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des interventions ? Oui, monsieur Barbe. Je souhaiterais, à l'ouverture de ce débat, adresser à mon tour quelques remerciements. Monsieur le maire l'a évoqué, nombreuses sont les personnes qui ont contribué à ce projet de PLU. Nos collègues élus membres titulaires et suppléants du comité PLU, en premier lieu, qui n'ont pas hésité à s'immerger totalement dans la complexité d'un tel projet. Ils auront ainsi participé en 2018 à des balades urbaines et à l'atelier conférence de Dominique Pierlet sur l'identité historique et patrimoniale de la commune, en 2020 à une journée de travail sur 4 sites et en 2021 à des vérifications sur tout terrain des gisements fonciers arpentant par groupe de 2 tout le territoire communal rue par rue. Ceci en plus des 61 comités de pilotage évoqués par monsieur le maire auxquels il a lui-même activement participé en laissant l'expression de chacun totalement libre et j'insiste là-dessus, c'est une construction collégiale de ce projet. Ces comités représentent environ 200 heures de travail par élu, sans parler des lectures et relectures intermédiaires. Le PLU, c'est près de 1200 pages d'écrits, mais c'est aussi beaucoup de chiffres, et celui du nombre d'heures de travail qui lui ont été consacrées n'est pas le moindre. Je vous remercie tous vivement, car sans cette mobilisation collective, nous ne serions pas parvenus à ce résultat. Je souhaiterais également adresser tous mes remerciements aux services de la ville qui ont travaillé sans relâche pour alimenter nos réflexions et sécuriser nos arbitrages, avec l'appui essentiel des bureaux d'études et de notre avocat Maître Rouault. Je tiens à les citer tous en marque de sincère reconnaissance. Isabelle Séché et Julien Audureau du service urbanisme, ainsi que Aurélien Allard pour son travail sur la publicité, Léna Igloisil, Martin Danet, Marine Pernet du service patrimoine et Myriam Milsan pour sa contribution initiale aux inventaires dans les MO patrimoniaux et son travail sur les communs du village.
Angélique Tuillier, Hélène Vitorino et Samuel Thémin, de la Direction de l'aménagement et du patrimoine, Rémi Masson des services techniques et toutes celles et ceux qui ont quitté la collectivité mais ont par le passé œuvré pour ce PLU. Les services de Pornic Agglo Pays de Ré ont été également à la fois contributeurs et relecteurs du projet. Que soit ainsi remerciée la Direction générale à l'aménagement du territoire et en particulier les services urbanisme, mobilité, habitat, développement économique, environnement et agriculture, le Polo ainsi que l'Office tourisme intercommunal. Ce travail interne n'aurait pas pu aboutir sans l'accompagnement de l'Agence d'urbanisme de la région nantaise, Laurent, dont les chargés de projet Annick Dubois, Alice Souquet, Paul François, Hervé Patureau, Vincent Caillat ont été des émissaires remarquables de technicité et de pédagogie. Le bureau d'études A plus B Urbanisme et Environnement, par l'intermédiaire de Sylvain Jouan, a conduit une analyse environnementale des plus pertinentes sur notre projet, nous aidant ainsi à l'adapter dans le sens d'une meilleure protection de nos ressources naturelles. Chantal Barbeau, du cabinet Westap, nous a également aidés au début de la procédure et jusqu'au débat sur le PADD en initiant les premières réflexions. Je n'oublie pas le CAUE, en particulier les analyses urbaines, architecturales et paysagères conduites par Christophe-Élise Boucher, qui ont été très inspirantes. Niane Boissé, architecte du patrimoine, qui a réalisé les études préalables du SPR, ayant alimenté notre vision d'une nécessaire protection du paysage côtier et du patrimoine rural, en duo avec la paysagiste Giovanna Marinoni. Enfin, je souhaite personnellement remercier les associations de quartier qui se sont fortement mobilisées et ont contribué à l'inventaire du patrimoine bâti, arboré et paysager. Je suis donc heureux d'avoir été au cœur de ce projet passionnant et peut-être plus encore qu'il aboutisse. Mesdames, Messieurs, chers collègues élus, je vous remercie de votre attention. Bonsoir. Merci, Monsieur Barbe. À vous écouter, en fait, on a l'impression qu'il va en être fini avec le béton et l'inflation à Pornic. Pornic, ce joyau dont vous seriez les protecteurs. Moi, j'aurais fait part d'un peu plus de sobriété, eu égard à toutes les zones que vous avez et que vous bétonnez encore, en tant que maire ou premier adjoint depuis 20 ans. Le quartier du Chabu en porte encore les stigmates. Le Sandier en connaît de nouveau. La coupure d'urbanisation à Montval se remplit. Un futur magasin de bricolage à la place de petits artisans au chanfrein, encore le ravissant chaudron aussi qui marche sur trois pattes, la zone de l'Europe qui n'en finit plus de s'étendre, la Basse-Cure en décrépitude, les îlots de chaleur derrière Nacéjac et Ogobet, les superbes immeubles de la Ria, les ormes de la place du Môle, plus récemment les cèdres bleus et ses arbres. Que dire encore de sa chapelle de style néo-régionaliste qui vient d'être démolie pour des appartements atteignant les 9000 euros le mètre carré? On parlait d'accessibilité, donc moi je veux croire en vos intentions. Vous le voyez, la liste est longue et je ne vais pas la poursuivre ici. Avec les modifications de dernière minute du PADD pour lesquelles nous avons quitté le conseil municipal du 4 mars dernier, nous avons perdu avec vous toute croyance en un Pornic apaisé et équilibré et surtout toute confiance en vos mots. D'autres cèdres bleus sont à prévoir, c'est une certitude. Alors oui, le discours et les intentions sont louables et nous y avons cru. En collaborant au travail colossal de ce PLU que vous venez de souligner, Monsieur Barbe. Oui, nous remercions aussi vivement les services pour leur implication. Et quand l'opposition prend parole, ce n'est pas pour détruire le travail des services, c'est toujours pour parler des choix politiques. Donc on parlera ici de choix politiques. Mais le problème, c'est qu'à l'épreuve de la réalité et de vos choix politiques, justement, que je viens de décrire, nous ne croyons pas plus en vos bonnes intentions qu'en votre capacité à faire appliquer les règles. Présentement, les chiffres parlent et je vais vous en faire part. Depuis 2020 et le début d'écriture du PADD, nous n'avons cessé de vous demander quelle base de population était retenue pour prévoir le présent PLU et le développement de Pornic et de ses infrastructures sur les 10 ans à venir. Vous nous avez répondu que vous reteniez l'indice INSEE sans pour autant l'assumer clairement. On vous a relancé plusieurs fois. Indice qui ne comptabilise que les résidents principaux, soit il y a 2 ans, 15 859 habitants. Le problème, c'est qu'en réalité, dans le cas de Pornic, qui compte plus de 5000 résidences secondaires, un indice plus fin et plus en phase avec la réalité aurait dû être retenu. Il s'agit de la population DGF, pour dotation globale de fonctionnement, sur la base de laquelle l'État verse chaque année la dotation à la ville et qui prend en compte, en plus, un habitant supplémentaire par résidence secondaire. Soit, en 2021, 21 033 habitants. Un écart de 5200 habitants pour Pornic, donc, par rapport aux chiffres que vous avez retenus. Dit autrement,
D'un côté, Pornic touche des subsides des résidences secondaires et d'un autre côté, on minimise l'urbanisme pour les habitants à l'année. Dit autrement encore, on consomme une grande partie du foncier avec les constructions secondaires et on se coupe de possibilités pour bâtir du logement principal et accessible. Le problème est plus grave encore car la population DGF augmente ces dernières années beaucoup plus vite que la population INSEE. Ce qui veut dire que vous accordez beaucoup plus de permis à de futures résidences secondaires qu'à de futures résidences principales. Pour rappel, dans le PADD, l'objectif a été fixé, vous l'avez rappelé, à 200 habitants supplémentaires par an et nous devons nous y tenir. Entre 2019 et 2020, la population DGF a augmenté de 493 habitants. Entre 2020 et 2021, elle a augmenté de 582 habitants. Un calcul très simple. Si effectivement on utilise au maximum la possibilité d'accueillir des résidents principaux, soit 200 par an, ça veut dire qu'entre 2020 et 2021, il y a eu 382 résidents secondaires au titre du DGF, soit 382 logements et résidences secondaires construites. Ma question est donc simple. Merci de nous indiquer avec le futur PLU comment vous allez pouvoir inverser la tendance, stopper l'hémorragie et tout simplement coller aux objectifs et à la règle des 200 habitants maximum pour le bien de tous. Bien, concernant le PLU, tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement et souligner le formidable travail réalisé par les services urbanisme et patrimoine, ainsi que les différents cabinets conseils qui ont accompagné les 10 services. Je salue leur professionnalisme et leur implication. Bravo. Ensuite, je tiens une fois de plus à vous faire part de mon étonnement concernant la méthode et les pratiques, et ce, sur plusieurs aspects. Tout d'abord, pour votre complète information, je suis membre suppléant du comité de pilotage du PLU depuis avril 2020. Depuis près d'un an, je ne suis plus sollicité afin de participer aux réunions, alors qu'auparavant, j'étais invité, voire même invité, même lorsqu'il n'y avait pas besoin de remplacement. Dont acte. Ensuite, pour rappel, le conseil municipal a été invité le 4 mars 2022 à débattre des orientations stratégiques du projet de PADD, projet d'aménagement et de développement durable, et plus particulièrement celles qui ont pu évoluer depuis les précédents débats. À cette occasion, je me suis abstenu au regard des modifications substantielles apportées par rapport à ce qui avait été voté à l'unanimité, je tiens à le préciser, le 29 janvier 2021. Comme vous le savez, le PLU est totalement adossé et dépendant du PADD. Sauf erreur de ma part, après le départ du groupe d'opposition, vous êtes passé directement au vote. Il n'y a pas eu de débat, ce que je regrette sincèrement. J'aurais en effet aimé pouvoir expliquer les raisons de mon abstention et d'autres conseillers peut-être auraient pu aussi participer au débat. Donc ma question est donc la suivante. Au-delà du manque de débat et d'expression sur le PADD initial, n'y a-t-il pas défaut de procédure ? Ensuite, concernant le projet de PLU en lui-même, les attentes et les souhaits des porniquaises et des porniquais sont très importants, vous l'avez souligné, M. Brard, au regard des problématiques d'urbanisation, de préservation du patrimoine, de changement climatique, etc. Et surtout du bien vivre ensemble, tout simplement. Il s'agit donc d'un dossier très lourd et très engageant pour notre territoire et surtout très complexe pour des non-experts et non-initiés dont je fais partie. Et pas seulement pour les 10 prochaines années, mais bien pour les 20-30 prochaines années. Nous l'avons tous constaté, nous payons aujourd'hui encore les erreurs et les oublis liés au précédent PLU. C'est pourquoi je regrette que les conseillers n'aient reçu les documents à étudier que lundi 13 juin, soit 9 jours avant notre conseil de ce jour. Oui, 9 jours pour étudier plus de 1200 pages. Alors même si en tant que membre suppléant du comité PLU, j'ai été destinataire de la plupart des 10 documents tout au long de la procédure, malgré le manque d'invitation, il s'avère que ces 1200 pages, malgré les efforts de rédaction du service urbanisme, sont souvent incompréhensibles du fait des différents acronymes, manque de vulgarisation et d'explication. Alors vous comprendrez aisément qu'il m'a été impossible d'étudier sérieusement ces 1200 pages et d'émettre un avis éclairé sur ce projet de PLU, tout comme je suppose bon nombre d'élus autour de la table. Enfin, pour une meilleure compréhension, j'ai demandé dès le début, et ce à plusieurs reprises, y compris jusqu'à ce début d'année 2022, à obtenir un tableau récapitulatif et explicatif, reprenant d'une part l'existant et d'autre part les modifications futures envisagées dans le cadre du nouveau PLU. Sauf erreur de ma part, nous ne disposons pas du dit tableau. Peut-être me suis-je mal fait comprendre, mais le tableau envoyé par les services le 15 juin 2022 ne correspond pas à ma demande initiale.
En effet, il ne permet pas de voir l'évolution apportée entre le PLU actuel et le futur PLU envisagé. Par conséquent, encore une fois, je regrette de ne pas y voir clair. Donc, moi, je reviens sur la phrase dans la note de synthèse qui donne mon avis favorable sur le bilan de la concertation et le projet de ce plan d'urbanisme local. Effectivement, je ne peux que reconnaître le gros travail complexe réalisé par chacun, les services, les cabinets conseils extérieurs et les élus, avec cette volonté de répondre à chacune des demandes qui se posaient. Je n'oublie pas aussi l'intégration dans le service urbanisme de deux personnels experts qui sont une architecte dédiée patrimoine et sites remarquables et un référent sur les arbres et autres sujets sur ce domaine de l'environnement. Je ne peux qu'être favorable à un tel PLU qui s'attache à stopper l'extension de l'urbanisation et qui se rapproche de nos attentes, même si nous avions mis la barre un peu plus haute. Voilà pourquoi mon avis était favorable sur la forme. Sauf que cet avis n'intégrait pas vos corrections et manœuvres dans le PADD. Et en janvier 2022, je rappelle, dans le PADD, document essentiel et directeur de ce PLU, vous avez profité de corrections nécessaires à la loi Climat et Résilience pour intégrer d'autres modifications plus permissives que sur la version validée en cours. Et du reste, le débat, comme le disait M. Deveille, n'a pas eu lieu en CM. Cet événement a fait que nous avons des réserves et nous n'avons pas confiance en vous. Ce PLU ne vous correspond pas vraiment. J'ai encore en mémoire les 20 chênes qui ont été abattus à la Janvry il y a 6 mois et qui ne vous ont pas offusqué. Et je pense aussi à cet arbre remarquable qui a été coupé dans une propriété face à la mer, allée des chemins verts, là aussi sans autorisation. Et quel a été le devenir? L'arbre est coupé, est-ce qu'il y a eu des mesures de prise? Donc on ne vous sent pas capable, comme le soulignait M. Hubert, d'appliquer ce règlement. Un tel règlement aussi exigeant vous oblige à faire un grand écart avec le PLU précédent, trop et très permissif. D'où cette bétonisation flagrante. Celui-ci ne peut être mis en œuvre et appliqué sérieusement que si vous décidez de recruter à minima un ou deux agents de la municipalité pour contrôler les travaux finis et, le cas échéant, dresser des procès-verbaux aux propriétaires qui ne respectent pas ce PLU. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne le PLU. Pour ce qui concerne, je dirais, la forme, j'ai deux petites observations, voire trois. Donc la première, c'est sur les coupures d'urbanisation. Aussi bien à l'ouest qu'à l'est de la commune qui sont dans le graphisme du PADD version 3 de mars 2022. Et elles ne sont pas reportées dans le graphisme du projet PLU. Donc, c'est peut-être un oubli, hein, je ne sais pas. Le fait que le zonage de ces endroits limites urbanisés projette des zones A ou N, donc inconstructibles, est-il un argument suffisant pour ne pas mentionner les coupures d'urbanisation dans le graphisme du projet de ce règlement? Donc, en fait, je pense que les coupures d'urbanisation génèrent des règles de droit, des règles juridiques, qui sont propres et qui sont différentes de celles du zonage. Voilà, c'est une observation. Donc la question, est-ce que ce graphisme du règlement ne serait pas conforme à celui du PADD? Voilà. Ça, c'était une première observation. J'en ai une seconde qui touche... j'ai vu qu'il y avait un inventaire de l'ensemble des sites industriels. Donc est-ce qu'il y a une cartographie qui pourrait mieux préciser les choses avec des périmètres de sécurité éventuellement? Donc c'est une question. Et pour terminer, je reviendrai sur une suggestion. S'il a été décidé d'interdire totalement la construction de piscines dans la ZAC de la Corbinière, certaines parcelles étant trop petites, l'usage de l'eau potable précieuse, l'évaporation énorme et l'artificialisation s'y rajoutant, tout en sachant que le coefficient de naturalisation sera mis en place dans ce nouveau PLU, et que de nombreuses divisions de terrain s'opèrent mettant sur le marché des parcelles vraiment très petites, pour ces bonnes raisons sur lesquelles nous sommes tous d'accord et décidés à l'unanimité en commission, nous vous demandons d'appliquer cette même disposition sur toute la commune et de l'inscrire dans ce PLU. Voilà, merci.
Alors, moi, je vais intervenir sur un point précis du PLU. J'aimerais avoir des éclaircissements sur le sujet de la production locale d'énergie. En effet, dans le temps trop court d'une semaine qui nous a été imparti pour analyser près des 1200 pages du projet de plan local d'urbanisme, nous avons cherché et analysé, que ce soit dans le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, ou dans le PLU, sauf erreur de ma part, il n'y est fait aucune mention au projet d'implantation d'éoliennes, aucune cartographie du potentiel éolien sur la commune de Pornic. Or, je ne sais pas si ça fonctionne. Or, en consultant les informations du site du CIDELA, qui est un acteur public référent des énergies au service des collectivités locales, on peut voir que deux ou trois zones propices ont été identifiées et que Pornic est une des dernières communes du Pays de Ré à avoir un tel potentiel qu'elle n'a pour le moment pas utilisé. Donc, je vous interroge, qu'en est-il à ce jour ? Pourquoi n'y a-t-il aucune référence dans nos documents d'urbanisme qui pourtant établissent une organisation à 10 ou 20 ans ? Quelle part la ville de Pornic va-t-elle prendre dans le défi de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement, contre le changement climatique ? Comme tous les territoires des Pays de la Loire, Pornic doit prendre en compte les objectifs du SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, et être compatible avec les règles de son volet énergie. Autre objectif, il faut se mettre en conformité avec la stratégie nationale zéro carbone développée par la PPE, programmation pluriannuelle de l'électricité. Ça veut dire qu'il va falloir doubler la production d'énergie électrique dans les deux décennies, à savoir dans les deux décennies à venir, et que 50% des projets soient des projets citoyens, c'est-à-dire pilotés par la collectivité et les citoyens à parts égales. Alors je vous pose la question. Où en est Pornic ? Quelle est votre position sur ce sujet ? Aujourd'hui, on parle de l'importance de l'indépendance énergétique, mais on importe 74% de l'électricité consommée pour répondre à nos besoins. Alors qu'on constate le poids croissant de l'énergie dans nos budgets de fonctionnement, l'objectif ne serait-il pas de réduire notre facture et celle des habitants ? À titre d'exemple, je prends encore une fois la source du CIDELA. Une éolienne produit 7 gigawatts, c'est-à-dire 7500 personnes, pour un coût de 3,5 millions d'euros. Pornic s'étend sur 100 km carrés. L'objectif d'y implanter quelques éoliennes serait raisonnable, avec des retombées financières importantes pour le territoire. Un parc éolien de 5 éoliennes de 3 MW chacune et produisant 2500 heures par an rapportera 5 Ça marche plus. Ah si, c'est bon. Ouais. Coupe la parole, mon Dieu. Alors, je vais me mettre comme ça. Il s'est branché sur l'éolien, je crois. Il y a aussi à prendre en compte des revenus d'impôt forfaitaire, l'IFER, ça c'est le nom de l'impôt, et d'autres taxes directement pour les communes. Donc, en résumé, une opération bonne pour le climat et bonne pour les finances. Nous vous demandons donc d'ouvrir le débat avec les citoyens et d'inscrire le zonage dans le PLU. Il y a des réseaux comme RECIT, le CIDELA, ALISE,
qui ont l'expertise et le retour d'expérience et qui sont là pour nous accompagner. Alors oui, il y a des inconvénients, mais dans le cadre réglementaire qui est celui de l'éolien, un cadre réglementaire qui est drastique en termes d'études environnementales, d'implantation, de sécurité sanitaire et surtout d'acceptabilité citoyenne, celle-ci est au cœur des projets. Donc en fait, moi, ce qu'on vous demande, c'est de vous engager. Aujourd'hui, quand on est en responsabilité dans une ville de 15 000 habitants et 20 000 très, très rapidement demain, on ne peut plus accepter de positionnement dogmatique sur le sujet de l'éolien. Soyons cohérents et pragmatiques, ne cédons pas ni au complotisme ni aux légendes urbaines. L'impact électromagnétique d'une éolienne ne dépasse pas quelques mètres, c'est encore une source SIDELA. Et pour les élevages, il y a aujourd'hui différentes techniques, dont le recours au diagnostic d'un géobiologue pour l'implantation de l'éolienne. Alors, moi, je vous demande aujourd'hui quelle est votre position, comment vous vous positionnez sur ce sujet-là. On aurait aimé avoir les réponses avant de se positionner, mais bon. Donc, on nous demande une position. Donc, non, monsieur le maire, la procédure de concertation ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions. Je vous rappelle cette petite phrase très permissive ajoutée au dernier moment au PADD évoquée par monsieur Hubert et monsieur Rousseau. Et oui, nous sommes plutôt favorables à l'architecture globale du PLU, notamment parce qu'il limite l'étalement urbain avec plus de 400 hectares promis à l'urbanisation qui repasse en zonage agricole. Oui, c'était une bonne idée de se doter d'un service patrimoine avec des compétences reconnues et qui ont permis de faire un travail de fond sur le patrimoine urbain de la ville. Travail qui se traduit dans le nouveau projet PLU, notamment sur les différents zonages urbains et côtiers. Le PLU de Pornic n'est peut-être pas le meilleur de la Loire-Atlantique, mais c'est sûrement un des plus épais, avec ses 1200 pages. J'en profite ici, en tant que monsieur Rousseau au comité PLU, pour remercier le travail considérable accompli par les agents de la ville et l'accompagnement des agents de Laurent. Parfois, monsieur le maire, vous faites croire à la population porniquaise que nous, membres PVA, remettons en cause le travail des agents de la ville. Ce n'est pas le cas. Si réserve il y a, c'est envers vous, monsieur le maire, qui êtes le donneur d'ordre. Et oui, nous n'avons plus confiance en votre parole, qui d'un côté dit « je préserve les arbres » et qui de l'autre côté laisse faire les coupes d'arbres, parfois sous prétexte qu'ils sont malades. Les exemples ne manquent pas. D'ailleurs, si dans le PLU on protège le bocage, du côté de l'homme qui a approuvé le PLU en 2011, ce PLU permissif qui fut construit autour du concept du siècle dernier, où tout devait être accessible en voiture, vos vieux démons ressurgissent. Au moment de la révision du SCOT du Pays de Ray, auquel on s'appuie pour faire le PLU, avec le projet d'une route à quatre voies déviant les villages du port pour emprunter les RD 66 et les RD 13, le massacre agricole est programmé. Les arbres n'ont qu'à bien se tenir. La route d'Abernerie ombragée ne sera plus qu'un vague souvenir. C'est bien que ce projet que vous portez en tant que président de l'Aglo, les derniers événements climatiques, canicules, orages dévastateurs, devraient faire changer. Mais non. Même des projets simples, comme mettre des panneaux solaires sur une salle neuve, comme celle du Clion-sur-Mer, vous ne l'avez pas fait. Votre conversion à l'écologie est bien ratée. Tout juste un peu de greenwashing en pédalant sur un vélo électrique. Alors évidemment, ça va être un peu compliqué de répondre à tout ça. Je vais essayer de faire un groupe, si vous le permettez, pour vos interventions, monsieur Hubert. Vous remettez en cause les règles d'instruction en expliquant qu'on accorde des permis, en expliquant qu'on construit un concours d'urbanisation. Moi, là-dessus, je pense qu'il faut continuer dans votre sens. Il faut le signaler quoi, aux autorités. Parce que si vous croyez qu'on a accordé des permis en coupure d'urbanisation et qu'on n'a pas appliqué les règles, je ne vois pas pourquoi votre collègue les a approuvés en commission PLU.
Premier point. Mais d'un autre côté, sur l'ensemble de vos questions, je rappelle qu'il va y avoir un commissaire enquêteur, et puis vous les notez bien, et nous répondre, et nous serons obligés de vous répondre. Vous comprenez que sur 1200 pages, comme vous l'avez souligné, il est très difficile d'aller rechercher chacune des règles. Donc vous avez un commissaire enquêteur, vous expliquez tout ce qui vous paraît compliqué, contraignant et anormal, et nous vous répondrons. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je reviens simplement sur ce que vous dites, les permis de construire accordés pour arriver à 200 habitants. Je pense que tout au long des PLU et des commissions en urbanisme, nous avons fait comprendre qu'en fait, un permis, il obéit à des règles, et si les règles sont respectées, vous ne pouvez pas l'accorder. Donc la mairie, ce n'est pas elle qui décide combien de permis elle va accorder, c'est le PLU. Attendez, mais laissez-moi finir. On vous a écouté. Je vous ai écouté. Permettez. Donc, la seule façon de contraindre, ce sont des règles extrêmement draconiennes que nous avons mises dans notre nouveau PLU. On peut les rappeler très rapidement. Hein. Littoral quasi inconstructible. Les surfaces de terrain par les coefficients de naturalité qui vont contraindre considérablement, les zones constructibles en diffus, les 500 hectares qui repassent en zone agricole, les villages qui ne seront plus du constructible et qui repassent soit en zone naturelle, soit en zone agricole, tous ces éléments-là font que ça va devenir un exploit de pouvoir construire à Pornic. Il faut être très clair. Écrivez-le. Mais alors, votre population DGF, bon, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, parce que vous preniez la population DGF ou que vous preniez la population, que vous la preniez à 20 000 ou que vous la preniez à 15 000, c'est exactement pareil dans les deltas. Parce que la population DGF, c'est la population des 15 000 plus une personne par résidence secondaire. Vous changez de base, c'est tout. Bah, ici. Il y a un plafond pour les résidences principales qui est fixé à 200 habitants par an. Et comment vous allez faire? Oui, bah alors là, vous remettez en cause la fiscalité. Ça, c'est ma collègue qui vous. Vous mélangez la fiscalité et l'urbanisme. Nous, on s'occupe d'urbanisme dans notre PLU. On ne parle pas de fiscalité. Si vous parlez de DGF, il faut rester sur la base DGF, mais ça ne changera rien. En une mandature, nous sommes passés de 14 400 à 15 500, alors que le PLU de l'époque y mettait 18 000. Alors, je pense que nous avons fait des efforts considérables pour contraindre cette arrivée. Maintenant, si vous avez d'autres moyens, il faut nous expliquer comment vous faites. Et c'est bien dommage. Mais non, c'est pas en parlant de DGF et ça n'a rien à voir. Ce sont des bases. Ce sont des bases. Bah oui, vous construisez une résidence. Arrêtez sans vos compétences. La population DGF, elle est inscrite, elle est en temps réel. Et alors ? La base INSEE, c'est tous les 3 ans, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas plus précis que la base DGF. Bah, allons. On parle de gens qui habitent à l'année à Pornic. Voilà. Et ces gens qui habitent à l'année à Pornic, c'est 15 000, c'est 14 400 et quelques en 2014, et c'est 15 000 en 2020. Ce sont par ces règles que nous allons réussir à contraindre notre population. Il n'y a pas d'autres moyens, ce sont des moyens légaux, vous avez peut-être des moyens artificiels, mais si vous voulez contraindre, vous devez mettre des règles d'urbanisme contraignantes. Expliquez-moi. Alors après, si vous en avez d'autres, il faudra les exprimer, il n'y aura pas de souci. Voilà moi ce que je peux vous répondre globalement. Pour M. Deveille, membre suppléant, je suis navré pour toi, mais ce n'est pas la mairie qui, aujourd'hui, fait appel aux membres suppléants. Ce sont lorsque une personne titulaire est absente qui doit appeler le membre suppléant. Donc, et nous nous sommes dégagés de cette. Nos services se sont dégagés de cette tâche-là, justement, parce que nous avons, il faut quand même le reconnaître, au niveau PLU et au niveau urbanisme, nous avons des commissions qui fonctionnent fort. Les gens sont là. Bon, ben voilà. Donc, si tel membre titulaire appelle une personne suppléante, c'est peut-être parce qu'elle veut que ce soit elle qui la représente. On ne rentre pas là-dedans. Il faut être très clair. Après, tu nous as parlé d'acronyme vulgarisation. Je rappelle qu'au début de la mandature, nous avons fait 3 réunions où nous avons listé Angélique à expliquer ce qu'étaient ces acronymes. On a donné un tableau récapitulatif. On a, je crois, fait une vulgarisation très importante pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils faisaient dans une commission urbanisme qui est une commission très technique, il faut quand même le reconnaître. Sur maintenant le tableau récapitulatif. Ben moi, je suis désolé, j'ai ici un tableau,
il a été fait à ta demande, il a été compris comme tel. Si, je pense qu'Angélique l'a compris, toutes les remarques formulées ont été prises en compte. Il n'y en a pas une qui n'a pas été. Il y a la possibilité de prise en compte là où se trouve l'information et toutes les pages du PLU. Donc, si ça n'est pas le tableau que tu souhaitais, ben, il fallait le dire, on en aurait fait un autre. Voilà. Attends un peu. Maintenant, monsieur Rousseau, vous parlez de manœuvres au PADD. Alors, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de manœuvres dans le PADD, puisque vous l'avez approuvé à l'unanimité, et vous vous êtes parti sur une OAP qui était l'OAP des Bougrenais, parce que vous avez estimé qu'il y avait une manœuvre politique, et notamment du maire. Il n'y a pas eu de manœuvre politique, puisque l'avocat est venu, et il a voulu sécuriser cette phrase qui permettait effectivement... Non, mais vous pouvez sourire, il n'y a pas de souci. Hein, mais qui venait sécuriser cette phrase. Bon, ça a mal été compris. Le maire à Copil a dit, puisque c'est mal compris, on le repasse. Il est sorti de la salle, nous l'avons repassé et nous avons divisé l'objectif qui était initial. Nous l'avons divisé par deux. Voilà. Donc, après, que vous n'ayez pas confiance, évidemment, qu'ici, vous n'allez pas dire que vous avez confiance. Mais dans ces conditions-là, je vois mal pourquoi vous avez voté toutes les résolutions, pratiquement dans toutes les réunions. Moi, si je n'avais pas confiance en vous, hein, je veux dire, je ne dirais jamais oui. Quand vous dites oui, je dirais non, par définition. Concernant les contrôles. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, une politique d'urbanisme très forte, ça nécessite des contrôles. Deux agents assermentés. Nous avons deux agents qui viennent d'arriver. Ils vont être assermentés. Je crois que c'est prévu d'ici 15 jours, 3 semaines. Ça sera fait au mois de septembre. Et nous aurons deux agents à l'urbanisme qui permettront les contrôles de ce nouveau PLU qui est extrêmement complexe et extrêmement difficile à mettre en application. Donc, là-dessus, au moins, on peut vous répondre. Pour ce qui est des coupures est-ouest, etc. Bon, dans le rapport de présentation, sauf erreur de notre part, mais là aussi, vous le signalerez lors de l'enquête publique, mais pour moi, dans le rapport de présentation, toutes les coupures sont bien précisées. S'il y a un manquement, ben, on le rectifiera, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire que par le cadre du commissaire enquêteur. Mais l'esprit a toujours été de partager les informations. S'il y a la moindre problématique qui vous paraît non pas une question de confiance, mais une question qui viendrait d'une coquille des gens qui ont travaillé dessus, ben on le rectifiera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les piscines, bon, voilà, on l'a fait pour la Corbinière, c'est un éco-quartier. On a tenu effectivement à ce que ce quartier soit assez exemplaire. Bon, on ne se voit pas encore fermer toutes les piscines de la commune de Pornic, je vous l'assure. Hein. Ça. Après, j'ai tourné les pages. Maintenant, madame, vous avez parlé de production locale d'énergie et vous voulez savoir tout ce qui est lié aux règles éoliennes. Je rappelle que toutes ces règles-là, elles sont notifiées dans le rapport de présentation et dans le PC et dans tous les documents. C'est la page 119-120. Nous l'avons abordée. Mais d'une façon générale, il faut que vous compreniez que la commune de Pornic, elle est mitée. Et que par conséquent, comme les éoliennes ne peuvent pas se trouver à moins de 500 mètres des habitations, eh ben, il ne reste pas beaucoup de place, comme vous dites. Hein. Il y a trois sites qui ont été identifiés par ce site-là. Bah, il a peut-être... Non, mais nous, on a un cabinet qui s'appelle A plus B, qui a travaillé sur la commune, et le problème des éoliens a été abordé. On en a parlé en commission, en copile, et ça, c'est dans notre PLU. Il y a les sites qui peuvent l'être faire, qui peuvent accueillir des éoliennes. C'est noté dans notre PLU. Mais je vous assure qu'il ne reste pas tellement d'emplacements. Hein. Il y a trois sites. Hein. Je vous conseille de prendre contact avec le CIDELA. Moi, j'ai rien inventé du tout. J'ai juste pris leurs études et voilà. les préconisations concernant qu'il avait faites, il y a deux à trois sites. Concernant les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, le CIDELA, dans le cadre de l'AGLO, mène une vaste étude de mise en place de panneaux photovoltaïques sur la commune de Pornic, comme sur les autres communes, sur les bâtiments publics. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et je ne vois pas pourquoi Pornic ne serait pas concerné, puisque c'était la volonté lors du bureau en communauté d'agglo. Monsieur Gris, procédure de concertation, vous ne soyez pas d'accord, moi je le comprends bien, mais la procédure de concertation, elle concerne la population et pas les élus, pour commencer. Donc ça, je comprends que vous ne soyez pas satisfait, mais c'est la procédure, elle est faite vis-à-vis de la population. Préciser qu'ils... Alors voilà, phrase de... Voilà, ok. Après, vous avez parlé remise en cause du travail sur la ville.
oui, tout ça, qu'est-ce que je vous dise ? Nous, on a bossé ensemble avec vos collègues, vous étiez là aussi. Moi, je n'ai jamais senti, lorsque vous étiez là, qu'il y avait un rejet de toutes les positions qui étaient prises. Donc, je peux pas vous dire, je peux dire que la même chose, si vous avez quelque chose qui vous paraît incohérent dans toutes les décisions que vous avez prises, ben, notez-le au niveau du commissaire enquêteur, ça permettra de rectifier le tir, puisque c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour ça, une enquête. Il y en a pour 3 mois, vous avez le temps d'y réfléchir entre vous et de dire au commissaire enquêteur, voilà ce qui nous paraît anormal, voilà ce qu'il faut revoir, et puis ça repassera en copie, là. Vous serez encore là pour... Oui, bah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous Bah, je peux pas. Moi, je peux pas répondre à ces questions-là, puisque elles ne sont pas. Elles ne sont pas prises en compte. Je peux pas. On ne peut pas aujourd'hui faire une marche arrière sur le PLU. Et ça, vous le savez bien. Attendez. Voilà. Vous rendez compte? On pose des questions très claires. Vous répondez en faisant un package à l'emporte-pièce. Non, c'est pas très clair. Vous me dites que l'indice DGF est artificiel. Je vais écrire à la DGFiP pour leur dire que M. Barre pense que l'indice est artificiel. Je pense qu'il est beaucoup plus précis que vos réponses. Et là, vous nous renvoyez vers l'enquête publique alors qu'on est en conseil municipal, qu'on est élus tous au même niveau et qu'on est là pour parler avant l'enquête publique. Alors, c'est vraiment, ça traduit bien justement votre. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Non, donc, pas du tout. On fait part de remarques, vous répondez d'un bloc, voilà. Ah, on fait des remarques artificielles. Les coupures d'urbanisation, on va en parler à Montval, puisque la coupure d'urbanisation de Montval, c'est un petit trait sur une carte, mais il y a 11 lots qui viennent de pousser et sortir mais de terre. Mais c'était en zone constructible. D'accord. Vous imaginez, franchement, vous imaginez donner un permis d'aménager sur une zone naturelle? Vous réfléchissez à ce que vous dites? Sur une zone naturelle. Ben oui, si c'est pas constructible, c'est une zone naturelle, bon, Val. Juste en face du champ de M. Le Thor, il y a une maison qui surplombe, soit, mais qui a vu maire et qui a été construite. Que ce soit devant M. Le Thor ou derrière M. Le Thor, moi je vous dis, vous imaginez c'est la ville de Pornic mais, donner un permis d'aménager sur une zone naturelle? Mais je vous assure juste, et je vais finir, là vos réponses, franchement, n'honorent pas le travail et qui a été fait. Et nous renvoyer à l'enquêteur public... Et traiter des indices DGF d'indices artificiels. Ah ben ça vous oui ça il n'y a pas de problème. Écrivez. Non mais il n'y a pas. Mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas de production locale d'énergie, les éoliennes ne sont pas prises en compte. Où c'est que vous voulez le prendre en compte? Moi je vous comprends. Il faudra bien le dire à l'enquête publique. Et si vraiment nous avons fait des erreurs, nous les corrigerons. Non, mais... Attendez, on va essayer d'organiser ça un petit peu parce qu'il y a Monsieur Gris qui demande la parole aussi. Attendez, même hier. Il y a M. Cri qui demandait la parole. Ah oui, donc, excusez-moi, mais on va essayer de garder notre calme et de faire ça bien, si vous voulez bien. Alors, quand vous dites qu'on ne touche pas aux zones naturelles, il y a quand même eu des projets, notamment à la bascule et d'urbanisation. Bah oui. La bascule, tout est naturel. Aujourd'hui, tout est naturel. Dans l'ordre. C'est repassé en naturel, okay, dans le projet PLU. Mais avant, ce n'était pas le cas. Il y avait quand même un projet d'urbanisation à la bascule. Heureusement, il ne s'est pas fait. Heureusement, nous ne l'avons pas fait. Il y a eu enquête. Moi, j'ai signalé que de construire dans une zone, dans l'enquête, dans une tramleuse, non, dans le marais, c'était quand même pas la meilleure chose qu'on a fait. Il faut rappeler quand même, pour les plus anciens, que quand même la zone de la RIA, c'était une ancienne zone ZNIEF, qui était une zone naturelle protégée, notamment par rapport à l'indice de présence de l'outre. Cette zone a été déclassée, urbanisée. Quand on dit qu'on ne construit pas à Pornic en zone naturelle, c'est faux, ça a déjà été fait, et vous étiez peut-être déjà là. Bon. Voilà. Quand je vois que dans le projet Scott, on prévoit une 4 voies sur la Ruda Bernerie, les RD66, dans la zone la plus bocagère référencée dans le PLU, mais d'un côté, on dit on préserve le bocage, et de l'autre, on dit on veut faire une 4 voies sur cette zone-là. Il y a contradiction. À un moment, il faut être clair avec la population. Soit vous continuez à porter cette 4 voies sur la RD66, soit il faut arrêter de promouvoir cette 4 voies sur la RD66, parce que c'est un massacre à la fois agricole. On va sacrifier des exploitations agricoles. C'est un massacre paysager, parce que c'est une 4 voies, c'est pas juste on élargit un petit peu, non. C'est une part du bocage massacrée
Et si on continue, et si vous continuez à porter ce projet, voilà, il est en contradiction totale avec le PLU qui va passer aujourd'hui. La 4 voies ne fait pas partie. La 4 voies ne fait pas partie. La 4 voies est proposée au schéma du SCOT et le PLU doit se conformer au SCOT. Donc soit le SCOT n'est pas cohérent, ou soit le PLU, la révision du SCOT hein, en cours, soit le PLU. Mais vous faites le contraire. D'un côté, vous dites je préserve les arbres, et de l'autre, vous portez un projet qui va massacrer ce paysage. Oui, merci. Juste pour te répondre, puisque tu, très gentiment, a remis en cause ce que j'avais avancé. Première chose concernant les suppléants. Je te rappelle que la première année, c'est toi-même qui m'appelais personnellement. Oui. Donc, c'est un fait. Donc, reconnais-le, tu le reconnais. Effectivement, la première année, c'est toi qui m'appelais directement. Dont acte. Concernant le tableau envoyé par les services, en l'occurrence Angélique, le tableau, il a été envoyé le 15 juin. Donc, dès le début, je peux terminer ? Merci. Dès le début, j'avais demandé, pour la clarification des choses, c'est quand même pas sorcier, l'état actuel, il y a peut-être 10, 20, 30 rubriques, peu importe, en étant vulgarisant, parce que je suis sûr qu'autour de la table, il n'y en a pas la moitié qui suivent, hein. Moi, je te le dis, mais bon. Bref, donc un tableau simple, synthétique, vulgarisant avec les principaux points du PLU actuel, et en face, les grands changements que nous souhaitons tous autour de la table. Point. C'était ma demande, et elle n'a pas varié d'un iota depuis le départ. Bon, pour X raisons, que je ne pense pas que ce soit ni le lieu, ni le moment de les développer, mais on aura l'occasion d'en reparler vraisemblablement. On est parvenu vers moi depuis plus d'un an pour me demander. Et d'un seul coup, ce fameux tableau, il surgit de je ne sais où, le 15 juin. Bon. Dont acte, encore une fois, mais ce n'est pas le tableau que j'avais demandé depuis le départ. Donc je voulais juste préciser ces deux points en réponse à ce que tu m'avais dit. Merci. Ouais, je suis désolée, mais Monsieur Barbe, j'ai pas du tout compris. Je vous ai posé une question très claire par rapport à l'identification des zones susceptibles d'accueillir des éoliennes et des zones qui doivent être indiquées clairement dans le PLU. L'étude du SIDELA sur le site sur lequel je me suis référée identifie de manière très claire, cartographie de manière très claire ces trois zones, enfin deux ou trois zones, bien évidemment en respectant toutes les obligations légales qui sont drastiques, vous le savez. Moi, je vous invite à regarder les webinaires qui sont proposés par le SIDELA et qui vraiment nous forment beaucoup sur ce sujet-là. Là, j'ai pas compris. J'ai pas vu du tout de zonage sur cet accueil. Et c'est juste essentiel aujourd'hui de se dire qu'à Pornic, on doit travailler, comme dans tous les territoires, un mix énergétique. Au niveau des énergies renouvelables, on va avoir des exigences très importantes. On les a déjà de l'État. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va faire la même chose que pour le logement social ? On va courir après les chiffres et puis on va payer des amendes ? Donc, franchement, là, moi, ça me choque. Attends, Edgar, je redonnerai la parole si tu veux. Sur les logements, il y en a une partie. Donc, moi, j'entends qu'on prenne la DGF. Après, c'est la question, c'est comment fait-on pour limiter l'arrivée et la construction de résidences secondaires par rapport aux résidences principales ? Voilà, il n'y a que la fiscalité là-dessus. Pardon ? Oui, parce qu'il y a une étude qui a été. Alors, cette orientation-là, on en avait parlé, il me semble, ça devait être à l'automne, de souvenir. On en a parlé, c'est même M. Gris qui avait posé la question, de souvenir, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a une étude qui est en cours et qui sera portée par l'agglomération. Parce qu'en fait, il faut que ça soit l'EPCI qui porte ce genre de dossier, de façon à ce que ça n'impacte pas les communes autour. Donc, c'est quelque chose qui est en cours d'étude sur l'ensemble de la fiscalité et l'ensemble des leviers que l'on a, le logement vacant, les Airbnb et bien sûr, les résidences secondaires sur la taxation. Cependant, il faut aussi qu'on soit, dans les critères de zone tendue définis par le préfet. C'est l'essentiel, en fait, de la problématique. Et aujourd'hui, seules les deux grandes agglomérations que sont Nantes Métropole et la Carène, je crois qu'Atlantique aussi doit l'être,
Elle laisse sur la variation des Airbnb, mais par contre, sur la taxe d'habitation qu'on peut monter jusqu'à 60%, il n'y a que ces deux grandes agglomérations qui ont aujourd'hui reconnu. Donc là, on demande pourquoi et comment on peut faire pour l'avoir. Donc ça, c'est des choses qu'on verra lors du mois de septembre, lorsque ça sera vu dans les commissions, je dirais, de l'agglomération. Sur la concertation, je reviens dessus parce que sur la volonté qui avait été affichée, qui était d'ailleurs une volonté réelle de notre équipe, c'était de faire un comité de PLU de façon à faire participer toutes les composantes, ce qui d'ailleurs n'était pas une obligation. Donc on l'a fait et on a travaillé, je dirais, au maximum de réunions. On a fait énormément de réunions. Enfin, il faut être un tout petit peu juste par rapport à ce qui se passe dans d'autres collectivités sur ce sujet-là. Le travail qui a été fait en collaboration entre nous, il a été quand même assez fort et complet. Enfin, moi, les personnes qui ont participé, je pense qu'on a beaucoup débattu. Toutes les décisions, aucune décision n'a été prise par le maire direct. Toutes les décisions ont été prises dans le comité PLU et pour la majeure partie, sauf, je dirais, à l'unanimité pour quasiment tout. Sur la concertation, dire qu'il n'y a pas eu de concertation, ben, il y a tout le détail. La seule chose à la rigueur qu'on pourrait regretter et que j'ai complété sur une autre phase de concertation, c'est l'exposition. On a fait une exposition qui peut être critiquable parce qu'elle est relativement courte. Elle s'est faite le jour des patrimoines et après, elle a été itinérante. C'est vrai qu'on avait prévu de faire une exposition plus grande. Après, avec les problèmes de Covid, on ne l'a pas fait. Par contre, on a fait un tiré à part qui a été distribué à tous les porniquets, qui n'était absolument pas une obligation. Donc, en contrepartie, on a fait ça. Et tous les porniquets ont reçu ce tiré à part. Vous le rappelez, il était vert et blanc. Il a été dans tous les bulletins municipaux. Sur les comptes rendus, je pense que les comptes rendus ont été développés à tout le monde. Alors, je sais qu'il y a eu un moment où il y a eu une erreur, mais elle a été rectifiée. Normalement, tous les comptes rendus, tous les conseillers municipaux les ont eus systématiquement sur ces comptes rendus. Le travail qui a été fait sur les 1200 places, et je sais très bien que c'est impossible d'ailleurs de le lire entre le 13 juin et aujourd'hui. Mais par contre, il est issu quand même du travail de toutes ces réunions faites par les 16 élus qui ont travaillé. Donc tout le monde a travaillé dessus. Il a été envoyé le jour où il a été terminé. Angélique, je lui dis, dès qu'il est fait, vous l'envoyez. Et je dirais, comme le tableau, elle l'a fait le lendemain, parce qu'elle a fini d'abord le rapport et ensuite elle a envoyé le tableau qui avait parlé. Je suis désolé s'il ne correspond pas à la demande, parce qu'il n'y avait pas de volonté de ne pas y répondre, quoi, très clairement. Donc, je sais d'ailleurs qu'on avait parlé de ce tableau-là. Personnellement, je ne veux pas du tout polémiquer. On avait parlé au niveau du RLP avec qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était après. Et pour moi, c'était plus le RLP, ce que tu dis comme... D'accord. Mais enfin, moi, je me rappelle très bien de ces discussions. C'est le RLP avant, le RLP après. Mais sur le PLU, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a même des choses dans le tableau qui disent que ce n'est pas dans le cadre du PLU. Et on en avait parlé, je me rappelle très, très bien. Sur la question du débat, évidemment, c'est une question qu'on peut se poser et qu'on a fait étudier et que, je dirais, les services de la préfecture comme les services juridiques qui nous accompagnent ont regardé. Il n'y a pas pour nous de sujet parce que la mise au débat, il a eu lieu. D'abord, il a été mis à l'ordre du jour. Donc, c'était mis à l'ordre du jour, donc il n'y avait pas de sujet. Il y a eu, je dirais, une intervention du groupe de Pornic Vent d'Avenir sur le sujet qui a décidé de sortir. Moi, je pense que là, c'est pour moi... Vous l'argumentez en disant « vous ne me faites pas confiance, c'est scandaleux, tout ça ». Moi, je pense que c'est une grave erreur, mais ça, c'est mon point de vue, chacun le sien. Donc, je n'ai pas refusé la parole à qui que ce soit après. Certes, je suis passé au vote parce que forcément, ça a perturbé la réunion. Il faut être juste aussi. Ça a perturbé quand même la réunion, ce qui s'est passé, parce que personne ne s'y attendait, d'autant plus que tout avait été voté à l'unanimité dans le comité PU. Donc franchement, on ne s'y attendait pas. Et en plus, sur le fond... Il n'y avait rien qui pouvait le justifier. Et je pense, sur Rousseau, vous l'avez vérifié dans les commissions, on en a parlé. Il n'y a rien qui a changé sur nos orientations sur les 14 km de côte par rapport, je dirais, aux règles qui auraient pu justifier ou qui pourraient prouver votre inquiétude sur la contiguïté. Enfin, il n'y a pas eu de... Je continue, hein, si vous voulez bien. Donc aujourd'hui, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir juridiquement. Et puis, il y a des jurisprudences qui le montrent. Donc, il n'y a pas de sujet. On ne peut que regretter la situation dans laquelle on a vécu. Mais il n'y avait pas de volonté, en tout cas du maire, de ne pas le faire. Ensuite, sur ne pas faire confiance au maire, vous avez raison de ne pas faire confiance au maire. Je veux juste vous dire, c'est que je ne suis jamais intervenu sur un permis de construire. Je ne suis jamais intervenu sur une signature de permis de construire. Et je ne suis jamais intervenu sur la commission urbanisme. Et s'il y a quelqu'un qui peut me dire le contraire, qu'il lève la main. Jamais. Jamais je suis intervenu.
Je n'ai jamais signé de permis de construire, ou si j'en ai signé, ça doit être pour des équipements publics de la ville ou des salles de type service public, peut-être la salle du client ou des choses comme ça, mais je n'ai jamais, je ne suis même pas sûr. Donc voilà, quand on dit que moi je me permets d'abattre des arbres, etc., franchement, je vais vous dire, sur les arbres qui sont abattus, j'en suis d'abord malheureux, mais je sais que vous ne me croyez pas, donc ce n'est pas très grave. Mais sachez qu'évidemment qu'il y a le PLU 2011, il y a aussi, je dirais, à gérer cette densification qu'on doit avoir, parce que tout ça, et vous étiez dans les orientations, on ne veut pas s'étaler pour ne pas prendre de la zone agricole, on veut garder, je dirais, des espaces verts au maximum, et on est d'accord. Après, il faut quand même qu'on accueille des populations et qu'on se densifie, c'est aussi la volonté de la chose, donc on peut tout estimer qu'il ne faut pas, je dirais, imperméabiliser. On a mis les coefficients de naturalité, on a mis de l'indivision, impossible de diviser le littoral. On a protégé les zones constructibles, on rend 550 hectares quand même, je dirais, au monde agricole. On protège plus de 500 arbres. On a classé les cœurs d'îlot, on fait les espaces boisés. Enfin, je pense que quand on dit on protège pas, enfin, moi, je ne vois pas comment un espace boisé classé sera demain pas protégé. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il faut renforcer le contrôle. Parce qu'une fois qu'on a fait tout cet outil-là, d'abord, il faut avoir conscience tous qu'un PLU, comme il a été écrit là, il va être extrêmement contraignant et donc il mérite d'avoir des renforcements pour pouvoir le tenir et aboutir et réussir aux objectifs qui sont donnés. Ça, je suis pleinement d'accord. Il faut qu'on en ait conscience. Ce sont des sujets qui seront forcément, je dirais, à débattre lors d'un débat d'orientation budgétaire pour renforcer les équipes. Je rappelle quand même qu'on a largement aussi déjà commencé avec le service patrimoine et un service urbanisme. La problématique, c'est aussi de recruter des gens. Ce n'est pas si simple de trouver des techniciens dans ce domaine-là. Sur la partie éolienne et énergétique, évidemment, c'est inscrit, je viens de vérifier, parce que moi non plus, les 1200, ça a été débattu en commission. Les plans des éoliens, ils ne sont peut-être pas assez précis, dont acte, mais là, on ne va pas les préciser ce soir. Donc, même si j'entends ce que vous dites, M. Bert, il ne faut pas les inscrire, il faut quand même qu'on puisse, à un moment, que le commissaire enquêteur le sache pour qu'on puisse rectifier, parce que même si on a ce débat, et qui est extrêmement important, et ça, je vous l'accorde, il est fondamental, ce débat, il a pour mission d'arrêter, mais pas d'approuver. Donc, il y aura quand même une période... Je finis, M. Grisé-Goulbert. Et donc, il faut quand même qu'on puisse, évidemment, mais on ne pourra pas le modifier ce soir. Ça, par contre, on n'a pas le droit. On est dans la phase d'arrêt. Voilà ce que je pouvais rajouter. Edgar, tu voulais rajouter quelque chose avant ? Monsieur Gris, même Lignard. Je suis désolée. Hein, je comprends pas votre positionnement là sur l'éolien. Je sais que la ville travaille beaucoup avec le SIDELA. Oui. Je sais que les zones, elles ont été identifiées de manière drastique. Je sais qu'elles se situent et elles respectent les 500... Il y a trois zones, enfin deux zones ou trois zones. Moi, je pense qu'il faut absolument que ce soit clair et qu'elles figurent dans le PLU et qu'elles soient zonées. Il faut les zoner. Ben, on va les... Enfin, moi, je n'ai pas de sujet, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ce soir qu'on va les rezoner. Donc, dont acte. Alors, qu'on ne mette pas dans l'enquête publique, il faut quand même qu'on le note pour... qu'on puisse les rajouter. Moi, je n'ai pas de problème pour les rajouter. Elles existent. Elles sont souvent, faites par des promoteurs de tout style. Hein. Bon, après, la question de savoir si on doit avoir de l'éolien ou pas, bah, c'est un vrai débat à avoir. Si, il y a des professionnels d'éolien qui sont déjà venus avec ces zones-là. Vous en avez deux souvenirs, quelques-unes. Je n'ai pas le nom, hein, précisément, parce que, du côté de Saint-Michel et l'autre côté de Saint-Hilaire-de-Chalons. C'est ça, les deux endroits où on peut en mettre. Là, c'est sur le territoire de Pornic. Oui, de Pornic. Et les zones qui ont été vraiment identifiées par le SIDELA suite à des études. Moi, je vous invite tout simplement à prendre contact puis à ouvrir le débat parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on loupe. Enfin, c'est la transition énergétique de nos territoires. Les chiffres que je vous ai donnés, je ne les ai pas inventés. Je ne suis pas dans le dogme non plus. Je les ai vraiment eus et pris sur le site du SIDELA et ils sont totalement fiables. Et aujourd'hui, quand on se dit qu'en installant une éolienne, on couvre la moitié des habitants de la ville de Pornic, c'est juste, il ne faut pas se rater là-dessus. Il faut le noter. Monsieur Gris. Oui, quand vous dites que vous ne signez pas les permis de construire, vous les signez quand même. J'ai donné la délégation à Edgar Barbe. Donc, le permis du 18 mai 2022 signé Monsieur le maire, ce n'est pas vous. Mais est-ce que c'est ma signature? Je signe tous, même par délégation, c'est les gardes qui les signent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Juste quand même. C'était quoi comme permis Sur ce permis, c'est un permis chemin des carrières.
Il y a deux maisons qui ont été construites sur un terrain qui avait été repéré. On avait fait des visites pour chacun. Avec moi, j'avais fait avec Madame Thibault des visites. Elle avait photographié ce bois qui a été aujourd'hui massacré parce qu'il y a déjà une maison en construction, une plateforme de cours. Et le deuxième permis a été accordé alors qu'il était passé une première fois au comité et refusé. Il est repassé une deuxième fois, accepté. Voilà. Mais il est signé par qui ? Monsieur le maire. Oui. Bah, vous savez bien ce que je veux dire. Enfin, et dans ce cas-là, je rectifie, monsieur le maire, oui, et c'est pas mis par délégation de monsieur Barbe. Je signe 100% des permis. Mais c'est. Je ne dis pas ça, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai signé. C'est par délégation Edgar Barbe qui a dû le signer. Sur le panneau devant la propriété, c'est écrit « Monsieur le maire, signé ». Ce n'est pas mis par délégation. Ouais. Et c'est exposé. Hein. Bah, écoutez, bref. Madame Le Parrou. S'il vous plaît. Merci. Oui, moi, j'aimerais souligner les questions de cohérence qui ont été soulevées par mes différents collègues de Pornic Vents d'Avenir. Parce qu'en fait, sur ce qui me paraît important dans ce qui a été souligné, c'est la question de la cohérence entre ce qui a été fait, ce qui est fait aujourd'hui et ce qui est promis d'être fait dans le PLU, enfin, ce que porte le PLU. Donc vous dites ce PLU, il recense et il s'appuie sur les réglementations actuelles, etc. Très bien, très bien. Soit. Et ça, c'est le minimum. Mais c'est le minimum. Quand on a en charge, évidemment, comme le conseil municipal là, et vous en tête, la mairie et le. L'idée, c'est pas seulement d'appliquer les règles, c'est d'avoir une vision. Et moi, je me pose la question, et on se pose la question de quelle est cette vision quand on voit, justement, quand on passe. Alors, il y a différents éléments qui ont été soulignés, mais par exemple, celui de l'élément souligné par M. Gris entre l'incohérence du projet lié au SCOT et de la 4 voies qui est prévue, qui va endommager une partie de zone agricole. Et puis, quand par ailleurs, on dit on va multiplier la plantation d'arbres, voilà. Sachant que, et ça, je pense qu'il faut vraiment en être conscient, tout abattage d'arbres ne pourra pas être remplacé. C'est-à-dire que vous abattez un arbre quarantenaire, voire plus, en plantant un arbre aujourd'hui, ça ne remplacera pas le potentiel écologique de l'arbre qui a été abattu. Que ce soit en termes de biodiversité, que ce soit en termes de capacité carbone. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est abattu aujourd'hui, cette année, ça ne sera pas remplacé par tout ce qu'on pourra faire dans le PLU. Donc après, je rejoins les questions qui se sont posées, notamment par Corinne Guignard, en disant on attend des engagements, c'est-à-dire... par exemple, en termes de capacité à produire de l'électricité de façon alternative aux énergies, par des énergies renouvelables. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et ne sera pas remplacé demain. Voilà. Et il y a urgence. On l'a vu ce week-end avec la canicule qui arrive, elle est là. Il y a vraiment urgence. Donc, derrière tout ça, ce que je veux dire, c'est que quel est l'objectif ? C'est-à-dire, si l'objectif, c'est simplement de mettre en place des réglementations, de rentrer dans des réglementations qui sont faites actuellement, très bien, mais si l'objectif, c'est réellement de prendre en main la question de l'impact climatique ici, sur notre territoire, à ce moment-là, ça se passe sur l'ensemble des questions. Ça se passe en cohérence. Et là, nous, on ne le voit pas. On ne voit pas cette cohérence entre les différents aspects, que ce soit les aspects qu'a souligné également... les différents aspects qui ont été soulignés, donc que ce soit sur les problématiques des zones agricoles qui vont être endommagées par des projets de 4 voies, que ce soit par les projets d'éoliennes dont on n'a pas du tout, qu'on n'a pas pris en main sur la commune actuellement,
que ce soit sur d'autres questions d'abattage d'arbres qui ont été déjà réalisés cette année sur la commune, ou que ce soit sur les problèmes de l'immobilier et des résidences, de la problématique des résidences principales et des résidences secondaires. Merci. Edgar, tu veux... Non. Concernant le projet, je pense qu'on a fait un PLD, on a écrit un fascicule, on a communiqué, je veux dire que les ambitions écologiques sont portées, les ambitions patrimoniales sont portées, les ambitions urbanistiques sont portées. Je veux dire qu'il y a quand même un document qui est extrêmement clair, extrêmement ambitieux et qui recadre le projet. On est resté plusieurs commissions sur ce projet-là, on l'a défini ensemble malgré tout. Alors moi, je veux bien qu'il ne soit pas compris, je ne mets pas en cause votre parole, mais ça, c'est compliqué aujourd'hui de dire qu'on n'a pas d'ambition et de vision sur notre PLU. Je veux dire, c'était pas la peine de faire un document de 1200 pages avec l'ensemble de la zone patrimoniale, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit rurale, la protection de toutes les terres, agricoles, les 1000 km de haies, c'est colossal ce que l'on a fait. Ça n'a pas été compris, dont acte. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, pour la 4 voies, comme c'est un projet qui est quand même porté, tu as été au cœur, tu en parles, parce qu'on ne peut pas plus laisser dire qu'on va massacrer. C'est monstrueux de dire ça. Bon, je te laisse répondre là-dessus. Oui, non, mais d'abord, sur la 4 voies, on vous parlait donc, du SCOT de 2013 qui l'inscrit, hein, c'est sûr. Aujourd'hui, il est en révision, donc c'est des phases de discussion. Aujourd'hui, les bureaux de l'agglomération sont favorables au projet que vous dites. Évidemment, on est loin de le faire. On est dans la phase de concertation, donc laissons aussi les choses se faire. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, sur les tracés, sur les plans, il n'est pas tracé sur le PLU de Pornic. Donc je peux vous dire ça. Ensuite, moi, je pense que, très honnêtement, le PLU qui vous est présenté va bien au-delà des règles qui sont demandées aujourd'hui réglementaires. Il faut en avoir quand même conscience. Et après, on peut dire tout ce qu'on veut, puis on ne veut surtout pas dire ce qu'on en pense. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'à chaque fois, les questions ont été posées, à chaque fois, votre collègue les a votées. Il s'est même permis des réflexions, je dirais, assez sympathiques en disant qu'il était bluffé par le travail qui a été fait. C'est ce que tu as dit en commission, en comité. Donc, à un moment, moi, j'entends bien que l'opposition s'oppose, et c'est normal. Bon, ben voilà. Maintenant, moi, je pense que le travail qui a été fait, il est solide, il respecte les règles. Il faut qu'il s'applique rapidement pour qu'on puisse éviter ce qu'on en a vu. Mais en attendant, ce qui était fait, les services urbanistes ne pouvaient pas non plus. La commission urbanisme a fait des choix, et il y a des choix qui étaient, je dirais, à chaque fois mesurés, négociés pour essayer de limiter, les impacts. Et demain, c'est quelque chose qui doit plus se protéger. Encore une fois, sur le littoral, interdiction de diviser, augmentation des projets très limités, coefficient de naturalité très réglementé aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra même pousser la réflexion un peu plus loin, parce qu'on parlait du contrôle. Il faut aussi que derrière, lorsqu'il y a des ventes, on puisse retrouver des endroits où il n'y a plus le respect du coefficient de naturalité au moment de la vente. Si on pouvait trouver un moyen pour que, au moment de la vente, on puisse le retrouver. Mais c'est des aspects réglementaires qu'il faut travailler, parce que la boîte à outils, elle n'est pas entièrement faite. Et puis, quand on écoute à la fois l'ensemble des services de l'État et des PPA, ils ont tous reconnu quand même que ce qui avait été fait allait dans le bon sens. Oui, monsieur Bert. Non, monsieur Brard, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ouais, excusez-moi. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, on ne parlera pense, pas de la procédure qui est engagée et que je trouve honteuse contre la DRP. Ça, je n'en parlerai pas. Non. Mais la DRP est quand même un acteur qui est reconnu, qui, je pense, en termes de connaissance du patrimoine, dépassait largement les compétences qui, maintenant, ont été intégrées à la mairie de Pornic. D'ailleurs, des cartes de monsieur Daniel Sicard ont été reprises, et je pense qu'on aurait pu l'en remercier. Ah, mais je l'ai fait personnellement, en plus. Mais je ne pense pas que la procédure que vous savez et que je sais soit vraiment dans la continuité de ce que vous venez d'affirmer sur le fait que les personnes publiques associées ont toutes reconnu. J'en parlerai pas parce que c'est une procédure grave, mais j'en parlerai pas. De vous à moi, on peut pas dire ça. On est d'accord. Non, je suis pas d'accord avec vous. Merci. Je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Florence. Alors, au niveau des compétences sur l'urbanisme, je fais pas partie de la commission, donc ça fait que 2 ans que je suis élue. Donc effectivement, j'ai pas toutes les
toutes les connaissances pour participer à ce débat, hein, c'est vrai. Néanmoins, j'ai quand même lu des choses et je peux vous dire, Madame Leparoux, que sur la transversalité, en tous les cas dans les autres commissions, moi je pense que c'est quelque chose qui est embarqué effectivement et qui est dit et qui est partagé dans plein de sujets, sur la revégétalisation de plein d'endroits sur Pornic. À chaque fois qu'il y a un projet, un nouveau projet, c'est des choses qui sont embarquées sur la perméabilisation des terres. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses à ce niveau-là. Et vraiment, dans plein de commissions, c'est quelque chose qui est transverse. Et effectivement, on ne peut pas le passer et le passer. Il y a des choses qui sont maintenant urgentes, je suis d'accord. Mais ce PLU, si j'ai bien compris les choses, et moi, contrairement à vous, je ne vais pas caresser dans le sens du poil les agents, je fais simplement confiance aux agents qui ont la compétence. Eux, ils ont la compétence et ils ont travaillé avec la commission. Et du coup, moi, je m'en remets complètement à leurs compétences parce que moi, je n'ai pas cette compétence-là. Mais quand ils présentent le PLU, ça me paraissait très intéressant de voir que tout ce qui était réglementaire avait été repris dans ce travail-là, et qu'effectivement, en France, on a une réglementation et qu'il faut l'appliquer. Et là, je pense que le travail énorme qui a été fait, c'est qu'il reprend la globalité de tout ce qu'on doit, en tous les cas, nous mettre en place. Mais en même temps, on va plus loin, c'est ce que disait M. Brard, et je suis d'accord avec ça, parce qu'il y a plein d'autres sujets dans d'autres commissions où on n'est pas forcément obligé par le réglementaire à avoir ces débats-là, et pourtant, on les a. Donc moi, en fait, en tant qu'élu, effectivement, je trouve qu'il y a une cohérence et une transversalité et que ça se fait peut-être tardivement. Et ça, je suis bien d'accord avec vous et je le partage et j'aurais envie que ça aille plus vite. Mais en tous les cas, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ça aura forcément un effet à court, moyen et long terme. Mais je trouve que ce travail, il est très intéressant et il va dans le bon sens. Voilà, moi, je voulais juste m'exprimer en tant qu'élu. Oui. Moi, je voudrais apporter mon témoignage, puisque je suis membre de la commission suppléante. Et je voudrais réagir à ce que j'ai entendu, parce qu'il y a plein de choses qui me restent en travers de la gorge. Je voudrais compléter et conforter les propos d'Edgar, bien évidemment. En ce qui concerne la suppléance, Philippe, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis suppléante et je suis appelée d'une manière très régulière pour participer à cette instance. Donc, voilà, tu vois. Mais il n'y a pas de quoi rire. Je trouve que c'est très désagréable, votre comportement. Et beaucoup de choses me choquent dans votre groupe. Permettez-moi de m'exprimer. J'ai entendu tout à l'heure des attaques encore personnelles et je trouve que c'est inadmissible dans une instance comme la nôtre. Si vous avez des choses à dire, il y a des lieux qui peuvent où vous pouvez vous exprimer. Il y a les commissions, notamment, où vous pourriez exprimer tout ce que vous avez dit ce soir. Ça me paraît surprenant que vous n'ayez pas de lien entre vous et que vous êtes obligé d'attendre un conseil municipal pour pouvoir dire des choses. Moi, excusez-moi, mais ça me choque. Ce n'est pas ma manière de voir les choses. Ce n'est pas mes valeurs. Je voudrais aussi, si vous me permettez, apporter également quelque chose, un éclairage en tout cas, en ce qui concerne les séances. Je participe et je ne suis, je répète, que suppléante dans la commission. J'approuve complètement ce que vient de dire Florence parce que le travail réalisé me sert au quotidien dans la mission que j'ai, qui ne touche pas le PLU, mais dont le travail réalisé dans le PLU a une incidence sur celui que je réalise au quotidien. Et donc, je peux vous confirmer et vous assurer que dans ces commissions, parce qu'il y en a deux, la compréhension pour tous est apportée. Le vocabulaire, les situations, la réglementation, tout ça nous est apporté et bien d'autres choses qui nous permet justement, nous suppléants, de pouvoir intégrer la connaissance nécessaire pour prendre des décisions, échanger, partager, au moins au niveau auquel on est. Je n'ai jamais entendu dans ces commissions une seule fois le refus d'un débat. Jamais. Par contre, je vous ai peu entendu vous exprimer. Ça, c'est un peu dommage d'attendre un conseil municipal pour le faire. Je trouve que l'opposition systématique sur tout, pour tout, n'a jamais fait avancer les choses. La critique est facile, et ce n'est pas moi qui le dis, l'art est plus difficile. Et je crois que c'était un véritable exercice d'art que d'arriver
au travail qui nous est présenté ce soir. Merci. Merci. Je vais clore le débat. Je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Contre ? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Qui s'abstient ? Une abstention. Merci. Je passe donc au point 2, l'arrêt du périmètre du site patrimonial, le SPR, que vous avez en annexe 2. Donc les documents de servitude documents et servitude d'urbanisme qui vous sont présentés aujourd'hui traduisent une ambition patrimoniale forte. La décision que nous avons actée le 16 décembre 2016 de réviser le plan local d'urbanisme a ainsi été immédiatement suivie de la volonté de création d'un site patrimonial remarquable. La première étude d'opportunité de création d'un site patrimonial remarquable qui a été menée a conclu au caractère exceptionnel des patrimoines porniquais et à l'étendue insuffisante des outils de gestion patrimoniale actuellement en place pour protéger la diversité de leurs caractéristiques. Pornic est une ville aux multiples facettes dont l'histoire pluriséculaire a généré autant de formes urbaines, de constructions et de paysages qu'il convient de reconnaître et de préserver. Son identité repose justement sur cette diversité qui s'illustre par exemple dans les trois dolmens et la grande concentration de vestiges mégalithiques sur la commune, parmi les plus anciens de l'Ouest Atlantique, dans la structure médiévale toujours lisible de la ville haute qui s'identifie à un bourg castral, soit un noyau urbain pourvu d'une enceinte et relié au château, dans le développement portuaire autour de la Ria qui a fait la prospérité de la ville à l'Ancien Régime, dans les paysages ruraux qui constituent encore aujourd'hui la majeure partie de notre commune, dans le développement de l'urbanisation sur le littoral à l'époque balnéaire, dans la qualité des architectures créées et dans l'invention d'un paysage arboré sur la corniche. Les outils de protection existants permettent d'en couvrir une partie. 70 entités archéologiques sont recensées sur la commune de Pornic et donnent lieu à des zones de présomption de prescription archéologique. Et donc une autorisation est alors demandée au service régional d'archéologie pour tous travaux. Deux sites inscrits et deux sites classés protègent des paysages des grandes vallées, de la corniche de la Neuveillard, du château et ses abords, et de la corniche et du lotissement de Grand-Malon. L'avis des inspecteurs des sites et l'architecte des bâtiments de France est alors requis pour les travaux nécessitant une autorisation. Quatre monuments historiques, le château et les trois dolmens, génèrent des périmètres délimités, des abords dans lesquels l'avis de l'architecte des bâtiments de France est également indispensable. Ces outils sont complexes et leur superposition donne parfois lieu à des procédures encore plus alambiquées. La création d'un site patrimonial remarquable constitue une simplification de ces outils en se substituant au périmètre délimité des abords des monuments historiques et aux sites inscrits et permet également de couvrir des parties de territoire qui jusqu'ici ne bénéficiaient pas de... forme un effet de seuil, prend en compte toute la corniche balnéaire de Sainte-Marie jusqu'au lotissement des Grandes Vallées qui se développe plus en épaisseur dans les terres. L'arrière de la corniche de la Neuveillard est pris en compte jusqu'à la ville haute et au port de Pornic qui enchaîne ensuite sur le quartier de Grand-Malon dont le lotissement originel et la corniche sont inclus jusqu'à l'ancien casino de la Source qui vient clore ce périmètre. Certains quartiers ont fait l'objet de discussions nourries quant à leur intégration au sein du périmètre du SPR, le bourg de Sainte-Marie, intéressant historiquement, mais dont la plupart des constructions ont été très remaniées et présentent un intérêt patrimonial moindre, le quartier du Chabut, qui est en discontinuité urbaine, et d'autres quartiers patrimoniaux, les franges urbaines directement attenantes à la rue de la Source et qui forment l'interface avec le lotissement originel de Grand-Malon, le bâti patrimonial y est plus diffus. Pour ces raisons invoquées, et suite à l'avis de l'inspecteur des patrimoines et de l'architecte des bâtiments de France, qui se sont déplacés sur site, il a été décidé que le plan local d'urbanisme patrimonial prendrait donc le relais sur ces secteurs. Bien sûr, tous ces secteurs qui ne sont pas dans le SPR auront donc évidemment une protection particulière et spécifique pour les protéger. C'est donc un tracé de périmètre ayant fait l'objet de nombreux échanges afin d'être le plus pertinent possible qui vous est proposé aujourd'hui.
Il ne constitue cependant que la première étape de la procédure de création d'un site patrimonial remarquable. Dans un second temps, il conviendra de réaliser un document de prescription pour encadrer toutes les évolutions du bâti, protégé ou non, et les nouvelles constructions au sein du périmètre. Même s'il ne s'agit que de la première étape de la procédure, la création du périmètre du site patrimonial remarquable n'est pas dépourvue d'effet. Une fois approuvé, tous les travaux faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme au sein de ce périmètre seront soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, afin de garantir la préservation des qualités patrimoniales. Il faut par ailleurs rappeler que la création du site patrimonial remarquable comporte d'autres avantages. Certains types de travaux, restauration du bâti dans le but de produire des logements locatifs, seront éligibles à la fiscalité Malraux, réduction d'impôt de 22% sur un montant maximum de 400 000 euros. Il existe également une subvention de la région, jusqu'à 10 000 euros par propriétaire pour 3 ans, pour restaurer les immeubles anciens en site patrimonial remarquable. D'autres aides de financement de travaux sont par ailleurs à l'étude, notamment en discussion avec la Fondation du patrimoine. Pour toutes ces raisons et précédemment évoquées, la création du site patrimonial remarquable de Pornic constitue une avancée majeure dans la reconnaissance de la valorisation des patrimoines porniquais et correspond en tout point à la volonté commune de préserver et de transmettre son héritage historique. C'est également un préalable nécessaire à la labellisation de la ville, car l'ensemble du travail effectué, inventaire, échange régulier avec la DRAC et analyse urbaine, montre l'engagement de la ville en faveur de son patrimoine. C'est ainsi que nous sommes en train de finaliser notre candidature au label Ville d'Art et d'Histoire, et j'espère que notre étoile au guide vert Michelin, récemment reçue, est la première étape d'une reconnaissance plus large du travail important que nous engageons depuis le début de ce mandat pour conduire une véritable politique de protection et de valorisation du patrimoine porniquais, qu'il soit bien sûr végétal ou urbain. Je vais laisser la parole à Edgar. Du projet de périmètre de SPR joint à un annexe et de le transmettre au préfet de région pour recueillir l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la CNPA. Le comité de pilotage pour la révision générale du PLU réuni le 2 juin 2022 a émis un avis favorable à l'unanimité. Le conseil municipal est invité à en délibérer et arrêter le projet de SPR périmètre et son argumentaire joint à un annexe. Chargé, monsieur le maire, de transmettre ce projet de SPR au préfet de région pour recueillir l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, CNPA, autorisez monsieur le maire ou l'adjoint délégué à conduire toute démarche et signer tout document nécessaire à la concrétisation de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des interventions ? Oui. En fait, c'est juste un complément en fait, sur le périmètre côté est. Là. D'accord. Je ne me souviens plus la raison pour laquelle on n'a pas intégré... la bande qui va de la Birochère à la Joselière, quoi, parce qu'elle est plus conséquente que ce qui déparaît, quoi. Parce voilà. À partir du casino de la Source, il y a une discontinuité d'urbanisation qui, au ministère, on considérait que c'était trop grand. Je rappelle qu'on voulait beaucoup plus long. Au départ, on voulait mettre tout le littoral, et donc ils ont demandé à ce que les parties spécifiques de la Birochère soient isolées et protégées par ailleurs. Donc ils sont pas dans le SPR. Mais ils auront des protections, je dirais, un petit peu comme d'autres quartiers. C'est pour ça que tout à l'heure, je le disais, il y a d'autres quartiers qui ont des protections spécifiques. Mais bon, c'était notre demande au départ. Mais en fait, la proposition qui est faite là, c'est une proposition qui nous a été discutée avec les services de l'État et qui nous le traite, c'est eux qui l'ont positionné, quoi. Monsieur Gris. Oui, je voulais juste annoncer à Madame Marlier qu'on n'est pas dans la position systématique et je vous annonce qu'on va voter pour. Merci. Suis ravie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? À l'unanimité. Merci. Nous allons passer donc aux zones d'aménagement concertées, compte rendu annuel de la collectivité. Et je vais laisser la parole à Edgar Barbeau. Non, c'est pas moi, là. Pardon, excusez-moi, attendez, j'ai beaucoup de papiers. Voilà. Toutes mes excuses. Zone d'aménagement concertée, compte rendu annuel à la collectivité, c'est le CRAC 2021 et c'est un annexe numéro 3.
En application de l'article L300-5 du Code de l'urbanisme et des dispositions des contrats de concession d'aménagement passés avec la commune de Pornic, les actes du Clos du Bocage, de la Corbinière et de l'Aria, l'aménageur Loire-Atlantique Développement, CELA, a adressé à la commune les comptes rendus annuels à la collectivité CRAC, intégrant notamment les bilans de la commercialisation et les bilans financiers prévisionnels au 31 décembre 2021. Les montants globaux de ces bilans s'établissent ainsi. ZAC du Clos du Bocage, recettes 12 536 177 euros hors taxes, dépenses 11 711 719 euros hors taxes. En avril 2021, les derniers travaux de la ZAC ont été finalisés. Le résultat d'exploitation de 824 458 euros hors taxes ressort du bilan prévisionnel au 31 décembre 2021. ZAC de la Corbinière. Recettes 23 214 172 euros hors taxes, dépenses 23 214 172 euros hors taxes. Les activités de 2021 constatées sur l'opération sont les suivantes. Réalisation des travaux d'aménagement provisoire sur la tranche 1 de l'opération et la mise en œuvre des travaux d'enfouissement des réseaux sur la rue des Brevinières et Corbinières. La commercialisation des premiers lots individuels sur la tranche 1 de l'opération. Les négociations foncières à l'amable se sont poursuivies sans aboutir à un accord amiable à ce jour sur le foncier restant à acquérir. La mise en place de la gestion du vallon humide central par l'éco-pâturage, la réalisation d'une étude de pollution sur une partie du foncier située sur la phase 2 impactée par la présence de déchets liés à une ancienne décharge, le démarrage d'une prestation de suivi environnemental du projet, engagement inscrit à l'arrêt loi sur l'eau et notamment l'actualisation des inventaires sur l'ensemble du périmètre de la ZAC. Le bilan financier prévisionnel établi au 31 décembre 2021 s'équilibre avec le versement prévu au concédant d'un fonds de concours de 1 447 324 euros hors taxes. ZAC de l'Aria, recettes 36 963 292 euros hors taxes, dépenses 36 963 292 euros hors taxes. Durant l'année 2021, les faits marquants de l'opération de la ZAC de l'Aria sont les suivants. La poursuite des travaux du parking Thomas Narsejac, l'engagement par Eiffage Génie Civil des travaux de construction de l'ouvrage de Génie Civil à proximité de l'hôtel permettant de finaliser le parking Thomas Narsejac et de réaliser l'escalier de liaison avec le parking du canal situé en contrebas. Le suivi des projets immobiliers, en particulier la réorganisation de l'îlot 5 vers de l'habitat avec 50% de logements sociaux, l'engagement du processus de remise des ouvrages auprès de la mairie de Pornic. Pour l'équilibre financier de la ZAC, il est prévu une participation de la ville de 3 767 001 euros hors taxes, dont 2 570 151 euros hors taxes ont déjà été apportés. Les commissions finances et urbanisme, réunies conjointement le 2 juin 2022, ont émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver les bilans financiers prévisionnels globaux de chaque ZAC, approuver les zones de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération dans chaque ZAC. Merci. On fera un vote séparé pour les trois. Est-ce qu'il y a des interventions ? Oui. Bien. En préambule, je tiens à attirer votre attention une fois de plus, au risque de me répéter, que cette année encore, aucun document, comme pour les autres commissions, et déjà comme en juin 2020 et juin 2021, n'ont été transmis en amont de la réunion pour étude. Et ce, malgré les promesses formulées les deux dernières années. C'est d'autant plus dommage que pour ce type de commission traitant de projets engageant la collectivité et donc toutes les porniquaises et tous les porniquais sur plus de 75 millions d'euros, soit le double du budget annuel, si je ne me trompe pas, de notre collectivité. Concernant le dossier qui est joint en annexe, de façon générale, j'ai quelques questions juste de précision. J'ai noté effectivement qu'il y a un certain nombre de lignes telles que les frais de société avec des montants très conséquents, l'eau du bocage à 1 322 000, la corbinière à 2 745 000 et enfin à l'ARIA près de 3 500 000. Ça correspond bien aux diverses commissions perçues, c'est ça? Oui, ou alors je liste et puis... Oui, on va lister. Ouais, d'accord. Deuxième point, sauf erreur de ma part, je ne vois pas apparaître de lignes frais financiers. S'agissant d'un temps long, alors, c'est une déformation professionnelle. J'imagine qu'il doit y avoir des frais financiers qui sont liés. Je ne les vois pas apparaître dans les documents. Et enfin, concernant la ZAC de la RIA spécifiquement, j'ai quelques interrogations. Donc, il nous est dit combien de logements au total étaient initialement prévus dans la RIA au total
tous les îlots confondus, et combien de logements sociaux en nombre et en pourcentage à l'origine. Par ailleurs, si je me souviens bien, dans la résidence de tourisme, il était prévu dans l'îlot 5, 85 logements, il me semble. Combien aujourd'hui sont prévus dans ce fameux îlot 5 ? Quid de la problématique liée à la réglementation sur le risque d'inondation ? En effet, lors d'une réunion en présence du maire de M. Dubernet de Next City et M. Barbe le 28 juillet 2021, il avait été précisé, et de moi-même, il avait été précisé que la transformation du projet de résidence de tourisme en logement aurait pour conséquence de réduire drastiquement le nombre de logements, puisque la loi sur l'eau de novembre 2011 ne s'appliquait plus et qu'il était nécessaire de se conformer à la nouvelle, et donc par conséquent qui est beaucoup plus contraignante et drastique. Donc je ne m'y retrouve pas dans les divers documents. Et donc quelle réglementation est donc applicable ? Ensuite, quid des problématiques de circulation, toujours par rapport à l'îlot 5 ? Les flux de circulation seront plus lourds, me semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste, avec la transformation de la résidence de tourisme en logement, considérant que pour ce qui concerne le tourisme, à la semaine, par exemple, une fois qu'on a posé sa voiture, a priori, on s'en sert assez peu, alors que là, s'agissant de logement, il va y avoir des problématiques d'accès. En tout état de cause, je pense que sur la rue du Canal, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais encore une fois, ce sont des questions complètement ouvertes. Hein. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, 50% de logements sociaux sur cet îlot 5. 50%. Je m'étonne et suis inquiet de ces coups de balancier. 50% de logements sociaux sur ce projet, dans la RIA, et parfois seulement 5, 10 ou 20% sur plein d'autres projets sur notre territoire. J'aimerais comprendre quels sont les éléments déterminant ce choix. Pourquoi ce changement ? Pourquoi ces coups de balancier ? Pourquoi ces arbitrages ? Est-ce d'ores et déjà acté, d'ailleurs ? J'ai le sentiment, dans ce que vous présentez, que c'est d'ores et déjà acté. Et si c'est acté, réglementairement, un débat et une délibération spécifiques ne sont-ils pas nécessaires sur ce changement d'affectation et de destination de cet îlot numéro 5, ainsi que sa nouvelle référence à la loi sur l'eau. Donc je suis un peu perplexe quant à la méthode et aux critères retenus. Troisième ZAC, la Corbinière, 151 000 m2, si j'ai bien étudié le dossier. Alors, c'est certainement pas le lieu, mais comme on n'a pas eu de documents avant. Quelle est la structure des propriétaires actuels des terrains ? S'agit-il de propriétaires individuels qui n'ont pas encore été acquis, hein, de sociétés ? À la lecture de votre dossier, il me semble avoir vu des individuels et une société qui détiendrait à elle seule plus d'un tiers des surfaces, 57 000 m2 sur les 151 000. Où en êtes-vous d'ailleurs des négociations avec la dite société ? Et puis, encore une question, une remarque un peu novice. Je m'étonne que cette ZAC soit aussi longue à être bouclée. Quels sont les problèmes rencontrés ? Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été lancées, peut-être tardivement, mais j'ai du mal. J'ai bien intégré qu'on drivait un temps long, mais j'ai l'impression que c'est très, très long. Ça sera très, très long. Enfin, question plus générale, quid de futurs projets de ZAC CRAC ? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont être lancés d'ici la fin de la mandature, au vu des problématiques et des besoins de logements à prix abordable? Je n'ai pas le sentiment qu'on ait lancé quelque chose. Et si on attend d'avoir terminé la Corbinière pour relancer quelque chose, on aura un vrai déficit de logements abordables. Et donc, on courra constamment après les choses. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui. Je me permets de réagir sur la ZAC de la Corpinière, parce que j'ai été là au mandat précédent. Je me souviens très bien de ce projet qui était quand même assez avant-gardiste pour l'époque, à savoir un projet d'écoquartier. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, monsieur le maire ? À moi aussi d'ailleurs, au moins là-dessus on a un point commun. Ensuite, sur la fin du mandat précédent ou le début de celui-ci, je ne me souviens plus trop, quand je vous ai interrogé sur ce projet-là, vous m'aviez répondu que le projet d'écoquartier était en réflexion et surtout
en développement vers un projet d'éco-bourg. Et puis aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu perdue. J'ai l'impression que ça va être une ZAC avec des constructions et que du coup, tout le côté vraiment innovant et puis surtout respectueux de ces engagements que sont les écoquartiers, bah, j'ai l'impression qu'on l'a perdu, quoi. Donc j'aimerais bien que vous me rassuriez. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, monsieur. Non, bah, sur le quartier de la Corbinière, je rejoins Madame Guignard, hein, parce qu'on s'est beaucoup exprimé, Madame Marié, avec Monsieur Rousseau en commission, beaucoup de choses. J'en noterai d'ailleurs qui n'ont pas été reprises, je vous le dirai à la fin. J'avais bien noté d'ailleurs, parce qu'on suit bien aussi, c'est vrai. Vous savez, dans l'opposition, c'est difficile de s'organiser, on a des emplois du temps voilà, conséquents, et il faut s'adapter à 5, courir 19 commissions, c'est compliqué. Mais bon, on essaie de suivre quand même, hein, y compris pour l'agglo. Alors, j'avais bien noté que la concession avait été signée pour la RIA en juillet 2008 et expire en juillet 2025. J'ai noté qu'il y avait une vigilance vis-à-vis de l'expiration justement de la concession. On sait qu'il reste quelques tranches de travaux, Madame Marié, 223 logements à l'îlot Paul-Pelet, les 85 qui se transforment en 120 logements, dans un endroit où effectivement j'avais noté que j'avais du mal à voir les obligations de parking réalisé à Kerlor. On a quand même un environnement qui est très contraignant, une construction sur du sable qui est inondable. Il y a une autre tranche, effectivement, de logements sociaux qui arrive aussi près de la route bleue. Et voilà, la question qui était posée, c'était savoir clairement, juridiquement parlant, est-ce qu'il n'y avait pas de vigilance à avoir avec l'expiration très proche des concessions. Ensuite, eh bien, effectivement, j'avais posé la question, mais on n'avait pas répondu clairement. On nous a parlé, et encore l'an dernier, il était très clair qu'on parlait d'éco-quartier intégré dans un écobourg. Là, effectivement, dans le compte-rendu, à part l'éco-pâturage dont on a beaucoup parlé, on ne parle plus du tout des ambitions d'éco-quartier, vraiment, qui sont des labels, on sait, qui sont très contraignants et justement pour lesquels il faut être capable de tenir les ambitions. Donc là, ça a complètement disparu. Et puis là, l'autre chose, alors là, ce n'est pas vraiment sur le crack-zac, mais c'était sur la livraison. En fait, on sait que la ZAC du Clos du Bocage a été livré, donc revient, la ville réintègre les infrastructures, les espaces verts. Je me bats à l'agglo aussi pour avoir une lecture analytique et comptable plus fine. J'ai demandé à ce que soit inscrit, ou s'il pouvait être inscrit pour les futurs crack-zac, la possibilité justement d'avoir une analyse prévisionnelle du coût des infrastructures. On utilise des méthodes d'anticipation comme le BIM en architecture, d'intégrer ou peut-être de contraindre, par exemple pour la ZAC de la Corbinière, d'utiliser ce genre d'outils innovants qui existent quand même depuis une vingtaine d'années, de façon à ce que quand la concession est réintégrée justement dans les charges de la ville, hein, parce que ce sont des charges, là, Madame Marié, désolé, je vous amène les éléments dont on a discuté pendant la commission. La question, c'est de savoir si, voilà, je sais que c'est pas forcément le sujet de ce soir, mais si on pouvait s'engager justement à avoir cette lecture analytique, pourquoi pas même en termes de finances, Madame Hugues, comme je le dis très régulièrement à l'aglo, faire des budgets annexes vraiment spécifiques par ZAC pour avoir justement un suivi et des grosses réparations et des entretiens à venir. On sait que sur les espaces verts, je crois, si j'ai bien noté, que le Clos du Bocage, c'est 140 000 euros, je crois, par an. Sur la RIA, je crois que ça va être bien plus important. Voilà, le but est de réussir à faire ce tuilage entre justement les ZAC et la bonne gestion analytique comptable et surtout la prévoir. Merci. Moi, je répondrai simplement sur deux points et puis je vous passerai la parole, M. Vignon, puisque ça touche vraiment les aspects financiers et les aspects de projet. Philippe, tu parles des logements sociaux. Bon, les logements sociaux, ça s'apprécie à la globalité du projet global, c'est-à-dire la ZAC de la RIA. Il y a des îlots qui en ont davantage et il y a des îlots qui en ont beaucoup moins. Donc, si on reprend à l'origine, il y avait deux programmés, 600 logements, dont 108 logements sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes sur 728 logements, dont 215 de logements sociaux.
Il est évident qu'aujourd'hui, les logements sociaux, comme il a fallu monter en puissance, ça joue aussi sur le total. Maintenant, le projet qui est situé, le projet Next City, qui est situé à côté du casino. À l'origine, c'était une résidence de tourisme et ça a bougé compte tenu des objectifs nécessaires en termes de logement. Nous l'avons fait basculer vers du logement. Ce logement-là va être à 50% sur le marché privé et 50% en logement social. Mais ce logement social, il est ciblé pour les jeunes qui travaillent sur Pornic. Ce sont des logements qui sont destinés à des jeunes pour qu'ils puissent travailler sur Pornic et avoir un logement. Bon, voilà ce que je voulais simplement dire. L'ARIA, les origines de propriété, ça c'est vous qui allez en parler forcément. La Corbinière, je crois. C'est long à boucler. C'est long à boucler. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons une temporisation sur notre ville en termes de nouveaux logements. Si on a un objectif de 200 logements par jour, je vous l'ai dit, on a une croissance et nous avons une croissance annuelle de 1% de la population. Il est bien évident que si nous mettions toute la Corbinière en vente, dans les 6 mois, ça serait vendu. Mais là, vous nous reprocheriez, évidemment, d'avoir 1500 habitants de plus dans l'année, si je reprends un peu vos décomptes. Donc, c'est aujourd'hui, nous avons temporisé l'ARIA, nous l'étalons dans l'année, d'abord pour pouvoir, pour pouvoir absorber cette population avoir des infrastructures administratives et qui soient capables d'amener cela. L'écoquartier, je pense que vous connaissez, M. Vignot, parfaitement la mécanique, puisqu'on vous l'a confié. Simplement, je vais dire que ce n'est pas tombé dans les oubliettes. La réflexion d'éco-quartiers et d'éco-bourgs sont parfaitement enclenchées. Lors de la dernière année, vous nous disiez, mais il n'y a pas de logements qui sortent. Aujourd'hui, nous avons de mémoire 15 maisons qui se construisent et 45 qui sont vendues, il me semble. Donc, c'est parti, mais dans une temporalité que nous maîtrisons et que nous voulons maîtriser. Monsieur Vignot. Oui. Excuse-moi, c'est juste pour répondre sur un point en particulier. Et revenir sur les 50% de logements sociaux. J'ai bien compris que c'était un projet global, oui, qui répondait à des équilibres globaux, des équilibres de financiers, d'une part, et des équilibres de mixité, oui, de mixité sociale, etc., et pour répondre à la fameuse loi Allure. SRU. Le fait d'introduire 50% de logements sociaux va créer un déséquilibre par rapport à ce qui était prévu à l'origine, d'une part par rapport à la fameuse mixité, et d'autre part des déséquilibres financiers, parce qu'on sait très bien que ce sont les logements dits non sociaux qui financent les logements sociaux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va se poser une problématique financière. Donc qui va financer ça ? Est-ce que c'est la municipalité qui va mettre la main à la poche ? Les fameux crânes. Je me permets de reprendre. Sur les cracks, évidemment, l'histoire de ce que ça représente en volume financier, on ne peut pas le rapprocher à nos budgets parce qu'il y a l'espace-temps, et vous l'avez tous dit, c'est très long et c'est très long. Donc il ne faut pas le lire comme ça. C'est d'ailleurs le principe même de la ZAC. C'est pour ça qu'on le fait. Oui, par contre, c'est très important, bien sûr. Sur l'îlot 5, mais je laisserai. Alors, si je reviens sur la tenue de la commission et les documents, quand même, parce qu'on fait justement une commission mixte Urba-Finance où notre aménageur vient présenter ses documents. Et c'est une réunion de travail où, justement, il vient avec ses documents, il les présente. Et donc, moi, je suis désolé, mais c'est à cette réunion-là qu'on pose toutes ces questions-là. Donc, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça qu'on a organisé. Moi, c'est traiter en 2 heures des documents dont on n'a pas eu connaissance, qui sont projetés comme ça, moi, je regrette, je ne sais pas faire. Alors, c'est peut-être moi qui suis peut-être un peu particulier. Je ne sais pas faire. Donc, ça demande et du recul et d'abord de l'étude. Je veux dire, les questions que j'ai été amené à poser là, très clairement, ce sont des questions que je n'aurais pas pu poser durant la présentation. D'accord. Mais c'est une règle générale. C'est que globalement, on n'a pas de documents avant les commissions. Mais bon, voilà, c'est un fait. C'est comme ça.
je me permets quand même, parce que je ne suis pas d'accord, puisque par exemple, moi j'ai pris, alors effectivement, je suis en charge des finances, donc j'ai plutôt pris des informations budgétaires. C'est des, ça là, je l'ai pris pendant les deux heures de réunion. Commercialisation, recettes en augmentation de 695 000 euros hors taxes liées à la réactualisation des prix sur l'intégration de la charge du projet, du fameux projet Next City, plus importante que si on avait fait un projet touristique. Tu pouvais avoir la réponse. Donc c'est bien que dans ces commissions, je ne dis pas qu'on va aller au fond, mais moi, j'ai certains éléments financiers que je surveille, parce qu'on peut, enfin, après, on se répartit aussi les tâches, donc on partage quand même pas mal sur les cracks avec le maire Edgar Barbe. Moi, quand je vais à la présentation des cracks faits par la CELA, bah, j'ai mon prisme budgétaire avec des questions de l'ordre de celles que tu poses et j'ai les réponses. J'entends bien, mais à ce moment-là, on ne promet pas, comme ça a été le cas à chacune des réunions de juin 2020, de juin 2021, oui, les documents, la prochaine fois, l'année prochaine, on vous les enverra à l'avance. Mmh. C'est ce qui a été dit texto. Moi, je me conforme aux promesses qui ont été faites. Mmh. C'est tout. À ce moment-là, on ne dit pas qu'on les envoie avant. C'est tout. Mais on ne va pas passer la soirée là-dessus. C'est juste un point que je tiens absolument à souligner. Moi, je ne sais pas faire. Bon, voilà, tu as certainement d'autres compétences. Mais moi, c'est sur le principe. Je ne participe pas à des réunions où il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Donc voilà, c'était un point qui avait été promis. Ça n'a pas été tenu. Bon, je vais laisser la parole évidemment à notre aménageur qui est là pour répondre à toutes les questions que vous avez posées. Juste sur l'histoire de l'îlot 5 avec 50% de logements, on est sur des emplois, sur des logements qui sont sociaux, mais qui sont des logements saisonniers, pour nos saisonniers. Donc ça explique en partie la question. Et puis évidemment, le flux de circulation, ils arrivent par la rue du Val-Saint-Martin, parce qu'en fait, à cet endroit-là, on est plus par derrière, au niveau ergonomie du site. Je laisse la parole à Damien pour répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées, et puis y compris faire un point sur la stratégie et le respect de l'éco-quartier. Je sais que tu m'as fait une note, donc je sais très bien que tu maîtrises bien. Voilà. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs, les élus. Donc, je vais essayer d'apporter effectivement des réponses sur les aspects qui sont techniques, parce qu'il y a des questions qui relèvent d'aspects de stratégie urbaine, de stratégie de programmation, qui là sont vraiment l'apanage des élus et les décisions des élus. Nous, on est au service de la collectivité, même si je pourrais vous donner quelques éléments complémentaires d'explication. Donc, pour revenir sur les grandes généralités, effectivement, les frais de société sont bel et bien la rémunération du temps passé par les équipes de Loire-Atlantique Développement CELA sur les projets, dont je rappelle effectivement que la durée de mise en œuvre, elle n'est pas sur quelques mois ou quelques années, mais on est plutôt sur un pas de temps qui s'approche d'une vingtaine d'années. Là encore, sur le rythme, nous, on aurait tout intérêt à ce que ça aille le plus vite possible, mais il y a plusieurs questions qui se posent, et en particulier là, pour répondre à la question de la Corbinière. Déjà, il faut savoir que le cadre réglementaire de mise en œuvre des opérations a quand même énormément évolué. C'est beaucoup rigidifié pour tenir compte de plein d'éléments, en particulier sur les aspects environnementaux, sur les aspects concertation, sur les aspects autorisation d'urbanisme, ce qui explique effectivement que les opérations mettent déjà beaucoup plus de temps à émerger. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'autorisations qui sont soumises à une réactualisation régulière au cours de la vie de l'opération, ce qui n'était pas le cas autrefois. On l'a cité pour la Corbinière, par exemple, on a une obligation de réactualiser les inventaires environnementaux tous les 5 ans. Donc ce qu'on vient de faire, d'ailleurs, sur l'année 2021, et qui va nécessiter qu'on soit en mesure d'adapter le projet, son contenu, etc. Donc du coup, pour les rémunérations, celles qui sont portées au bilan global de l'opération, ce sont bien des rémunérations qui portent sur la totalité de la durée de la concession. Pour les frais financiers, en fait, vous les avez sur les pages bilan financier. Vous avez deux lignes dans les charges qui sont frais financiers sur court terme. Donc ça, ce sont les frais financiers liés aux autorisations de découverte trésorerie que nous avons mis en place pour les opérations. Et vous avez les frais financiers sur financement, où là sont rémunérés les frais des emprunts qui sont contractés par la structure. Un point aussi, moi j'insiste beaucoup sur ces éléments-là, qui est un élément de généralité, mais qu'il faut que les élus aient, je pense, en tête. C'est vrai que les montants sont importants
sur l'ensemble des concessions, mais l'intérêt aussi pour la collectivité de passer par des concessions d'aménagement, donc qui font l'objet de ce reporting, c'est en fait la possibilité, ce n'est pas porté dans les comptes de la collectivité, on est vraiment sur une externalisation de la mise en œuvre et de l'investissement de ces opérations. C'est-à-dire que c'est nous qui portons, dans le cadre de budgets qui sont spécifiques, c'est nous qui portons la mise en œuvre de ces projets et qui supportons d'ailleurs l'ensemble de leur financement et l'ensemble des charges et l'ensemble des recettes. Et puis à la fin, la commune se retrouve avec soit effectivement une contribution lorsque l'opération est difficilement équilibrable pour plein de raisons, soit un excédent, comme c'est le cas, vous avez dû le remarquer, sur la ZAC du Clos du Bocage. Donc pour les logements sur la partie RIA, Monsieur Barbe a répondu, voilà, sans difficulté. J'ajouterais juste que effectivement la commune, et vous le savez bien, est rentrée dans le cadre des SRU. Donc effectivement, il est à se préoccuper, ce qui n'était peut-être moins le cas antérieurement, mais d'équilibrer l'offre de logements pour éviter de se retrouver pénalisé. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'intégrer au mieux l'évolution des logements sociaux qui sont passés sur la ZAC de la RIA de 15% à, on va dire, si on prend tous les produits sociaux complets, y compris dans les objectifs de programmation de l'îlot Paul Pollet, on passe aujourd'hui au-dessus des 25% de logements sociaux. Ce qui est une démarche tout à fait positive et qui répond justement au souhait et à l'ambition de permettre d'asseoir une population variée, une population aussi résidente. Sur les aspects inondations qui ont pu être évoqués, donc là-dessus, très clairement, ces opérations font toutes l'objet de ce qu'on appelle une autorisation environnementale unique. À l'époque, ça s'appelait dossier loi sur l'eau, autorisation loi sur l'eau et étude d'impact. Cette autorisation environnementale unique prend en compte l'ensemble des aspects espèces protégées, zones humides, inondations, etc. Et donc, ce sont des dossiers qui sont validés et délivrés par la préfecture de Loire-Atlantique. Donc, toutes les logiques inondations sont parfaitement prises en compte dans le projet. Et évidemment, les projets n'ont pu être autorisés que s'ils sont conformes aux réglementations. Sur la partie Corbinière, donc je ne reviens pas sur les longueurs d'engagement des études, hein, c'est vrai que je comprends et à chaque fois j'entends les élus qui, une fois qu'ils ont décidé de la mise en œuvre d'un projet, souhaitent que celui-ci se fasse le plus rapidement et c'est bien naturel. Mais comme je l'ai dit, on a aujourd'hui vraiment un cadre d'autorisation environnementale qui est quand même très très renforcé. Quand j'étais un jeune chargé d'opération et que j'avais moins de cheveux blancs, un projet, ça se mettait en œuvre en un an, on envoyait les engins de chantier sur le terrain. Aujourd'hui, il faut 2, 3, 4 ans parfois pour pouvoir commencer effectivement les réalisations. Donc ça montre à quel point en fait les choses ont pu évoluer. C'est un bien, j'allais dire un mal nécessaire, mais non, c'est un bien aussi pour essayer d'aménager le plus durablement possible. Je reviens juste sur le point effectivement de l'évolution, par exemple, d'un îlot comme Paul Pollet. Vous parliez effectivement que ça vous indiquiez que l'îlot évolue de 85 à 220 logements. Aujourd'hui, ce sont des hypothèses. Néanmoins, très clairement, on est aussi dans une politique qui s'impose à la collectivité, qui est la réduction des emprises, ou en tout cas des espaces constructibles. Donc ça pose la question d'arriver à faire de la densité là où c'est possible. Et quand on dit densité, c'est pas un gros mot. Moi, je préfère le terme intensité. Et le faire avec respect, avec qualité, avec services qui vont avec et qui permettent d'avoir des espaces de vie qui sont des espaces de vie de qualité et qui soient et qui permettent, voilà, de résider de façon à la fois respectueuse et d'être bien là où on est. Ça, c'est important pour nous. Pour les avancées des négociations sur la Corbinière, alors effectivement, il y a trois grandes entités de propriété qui n'ont pas été acquises aujourd'hui. Une, effectivement, qui appartient à une société. Alors, c'est un peu faux de dire que c'est une société, c'est une SCI, en fait. Donc, c'est une société, oui, mais c'est quand même de la propriété foncière et c'est un objet de portage foncier.
et puis deux indivisions sur lesquelles on a été amené, on continue d'échanger avec eux. Néanmoins, on ne procède pas à ces acquisitions à ce stade de manière responsable. Pourquoi ? Le premier élément, c'est parce qu'on se doit aussi de porter des bilans équilibrés, c'est-à-dire de ne pas trop dégrader la trésorerie de l'opération, ce qui engendrerait des frais financiers plus importants. On acquiert les fonciers et les fonciers qu'on va être capable d'aménager dans un temps relativement court, c'est-à-dire qu'on ne porte pas trop de stock foncier pour éviter de dégrader le bilan de l'opération. Le deuxième élément aussi qui fait qu'on doit se comporter comme des acheteurs responsables, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des enjeux environnementaux à re-questionner tous les 5 ans. Et ces enjeux environnementaux, ils évoluent parce que les réglementations évoluent en matière de classement d'espèces protégées, en matière de définition et de détermination de ce qu'est une zone humide. Je rappelle que pour ce dernier point, par exemple, on a eu 4 changements réglementaires qui se sont opérés au cours des 6 dernières années, ce qui est énorme. Donc ce sont des adaptations et aujourd'hui acheter du foncier, on peut se retrouver avec un foncier qui, au gré d'un inventaire nouveau, alors qu'on sait qu'on ne pourra pas l'aménager immédiatement, mais au gré d'un inventaire nouveau, se retrouverait grévé d'une contrainte qui nous empêcherait d'en aménager tout ou partie. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. On informe régulièrement les propriétaires fonciers des démarches qui sont engagées. Là, on les informe actuellement des nouveaux enjeux d'inventaire qu'il y a eu sur la partie corbinière. Donc voilà, il ne s'agit pas de précipiter les choses, mais de les faire justement avec ces enjeux de responsabilité financière et programmatique pour que l'opération reste et les opérations restent équilibrées. Sur la partie durée des concessions, vous avez raison, effectivement 2025 c'est un horizon court par rapport à ce qui reste à réaliser. Là je dirais que nous on s'adapte en fait à la demande de la collectivité, de notre concédant, c'est-à-dire s'il veut qu'on sorte 300 logements, alors ça on déconseillera, mais s'il veut qu'on sorte l'îlot Paul Pollet demain, enfin très rapidement, c'est quelque chose qu'on peut accélérer. Néanmoins, là, c'est une décision qui est une décision pour nous qui est très politique et de programmation. Nous, on se met à disposition de. Si la mise en œuvre de l'opération devait dépasser 2025, on fera ce qu'on fait très régulièrement sur les opérations pour nous adapter à la demande politique qui nous est faite, c'est-à-dire qu'on prorogera la durée de la concession, tout simplement. Sur le stationnement effectivement du secteur Kerlor et vis-à-vis du nouveau projet sur l'îlot 5, projet de résidence qui prévoit des logements et donc 50% de logements sociaux. Donc il y a une attention très particulière qui a été apportée sur le secteur, sur ce secteur-là. En particulier, il y aura 2 types de stationnements qui seront prévus. On a des stationnements enterrés et des stationnements de surface, de sorte à ce qu'on arrive à un ratio qui permette d'avoir une place de stationnement pour les F1 et une partie des F2, et tout le reste aura un minimum 2 places de stationnement, de sorte à ce qu'on ne se retrouve pas en situation effectivement où on aurait du stationnement anarchique sur la rue. La rue, alors je l'appelle Kerlor, mais je ne suis pas sûr exactement du nom de cette rue-là. Et par ailleurs, pour des logiques d'éviter des engorgements sur la rue Kerlor, et notamment son débouché sur la rue Loukianov, il est prévu la mise en place d'un complément, d'un petit barreau routier qui est au dossier de réalisation de la ZAC, entre la rue Kerlor et la rue du Val-Saint-Martin. Donc ça permettra de diversifier les accès et de ne pas avoir un phénomène d'engorgement au niveau de la rue Kerlor. Sur la partie clos du bocage, donc pour le montant global des frais d'entretien, et là je parle vraiment global de la gestion de la copropriété, puisqu'on était intéressés nous, à cette gestion. Alors je ne sais pas trop où est-ce que vous avez eu les chiffres que vous avez annoncés, mais actuellement c'est 40 000 euros par an d'entretien global, tout compris. Donc consommation, espace vert, etc. Voilà. L'intérêt du BIM, oui, c'est, ça peut être un outil très intéressant.
Alors c'est un outil qui doit se déployer normalement, et c'est pour ça qu'en construction ça se fait beaucoup plus, parce que les temps de vie des projets sont quand même plus courts. Il faut savoir que c'est un process qui a un coût. On pourrait très bien l'intégrer aujourd'hui dans les opérations, mais lorsque les opérations sont déjà parties, c'est encore plus coûteux, parce qu'en fait il faut refaire tout l'historique de l'opération, en reprenant effectivement non seulement les plans, bien sûr, les matériaux utilisés, toutes les caractéristiques réseau, les coûts associés, les coûts d'investissement, tout ça peut se faire. Après, c'est une décision politique et ça a un coût. Et on a été amené à le faire on le fait aujourd'hui sur nos projets de construction. On n'a pas été amené à le faire sur des projets de zones d'habitat ou d'activités qui sont déjà existantes, parce qu'en fait, le coût est vraiment disproportionné par rapport aux bénéfices pour la collectivité. Et puis je terminerai, si j'ai rien oublié, sur la partie écobourg de la Corbinière. Donc oui, pour vous rassurer, l'opération qui était initialement prévue sous la forme d'un écoquartier, c'est dans les discussions avec les services de l'État qu'ils nous ont suggéré de faire évoluer, puisqu'en fait c'est une greffe urbaine qui est quand même importante, qui va avoir des conséquences sur l'une des trois polarités de Pornic, qui est le bourg du Clion. Donc ils nous ont incité à élargir le périmètre. Et là, on a eu tout un travail qui est un travail préparatoire qu'on a dû reprendre par rapport au dossier initial d'éco-quartier de la Corbinière pour étendre ces logiques de process, parce qu'en fait, ce sont des process de mise en œuvre avec définition de la concertation, quels sont les périmètres qu'on retient, etc. Donc on est en train de travailler sur ce sujet-là. Et à terminaison, l'idée, c'est d'avoir un projet qui soit non plus regardé comme étant uniquement l'écoquartier de la Corbinière, mais un projet qui soit dézoomé avec la question des services, des circulations, de tout ce qui va faire en fait que c'est une vie un peu globale qu'on va avoir et une vie qu'on souhaite avoir de qualité. Je reprends, pas sans les galvauder, mais les éco-pâturages. Alors, ça fait l'objet de discussions il y a quelques années, mais aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question de savoir comment ces espaces naturels, préservés, valorisés, serviront tout à la fois aux personnes qui résideront dans le quartier de la Corbinière, mais également profitent plus largement à toutes les personnes qui habitent le Clion, voire même ailleurs, puisqu'on sait qu'on a aujourd'hui des mobilités douces qui permettent d'avoir une reconnexion depuis le centre-ville jusqu'au quartier de la Corbinière. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Sur des questions plus sur les chiffres des logements et sur le devenir des ZAC et les besoins de ZAC futurs. Sur la ZAC de la RIA, donc on était à 600 logements, on est passé à 728. Tu disais, alors je ne l'ai pas en pourcentage, donc je donne. Donc on était à 108 logements sociaux, on est passé à 215 dans les prévisions. Sur la Corbinière, on est à 550, mais on sait très bien qu'il y aura certainement des augmentations à prévoir. Aujourd'hui, on est à 110, on est plutôt sur des prévisions autour de 200. Donc vous voyez, on double. Mais ça, et donc toutes ces modifications se feront évidemment par avenant. Alors, sur le PLU, ça rejoint presque ça rejoint même le PLU, c'est-à-dire que les endroits où on peut faire des actes futurs sur la commune, à mon sens, il y a celle dite du territoire de la Joselière qui est au pied du château d'eau de la Birochère. Là, il y a un grand foncier où éventuellement il pourrait y avoir ce projet-là. Après, aujourd'hui, on a quand même, sans avoir modifié la Corbinière, autour de 700 logements encore à construire. Et je rappelle, le PLU, c'est 200 logements par an, y compris avec, le particulier qui divise ces terrains. Donc, vous voyez, on a quand même déjà des programmes qui sont en réserve, qui sont conséquentes. Et donc, il faudra se poser la question au bon timing. Mais là, à mon sens, il est trop prématuré pour enclencher cette démarche-là sur une autre ZAC sur le territoire. Très honnêtement, hormis la Joselière, je ne vois pas où dans le PLU demain on pourra en faire. Voilà ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, juste une précision, monsieur. Pour revenir aux négociations sur la Corbinière, les trois grandes entités, j'ai bien compris que vous désirez plutôt maîtriser la rapidité d'acquisition pour la mettre en phase avec, d'une part, les équipements et d'autre part, OK. Comment vous maîtrisez le risque d'inflation du foncier? Parce que quelque chose qu'on souhaite acheter aujourd'hui, si on l'achète dans 10 ans, est-ce que c'est encadré? Je ne sais pas. Est-ce que c'est encadré? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des terrains, notamment là-bas, qui valent 100 aujourd'hui et qui, dans 5 ans, vaudront 150?
Comment vous arbitrez ça? Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que c'est encadré? Parce que là, moi, je serai à la place des trois entités ou les autres. Je vous inciterai à attendre, quoi, pour justement faire monter les prix. Alors, c'est un... Merci. Je vais plagier personne, mais c'est une très bonne question. En fait, il y a deux éléments qui nous permettent d'encadrer finalement les acquisitions et le montant des acquisitions. Le premier élément, c'est que lorsqu'on crée une ZAC, il y a une date de référence dans la valorisation des terrains qui est prévue. Cette date-là, en fait, lorsqu'on souhaite faire valoriser un terrain, notamment par les domaines, c'est cette date-là qui est retenue comme étant la référence et le marché a regardé à date de cette référence-là. Le deuxième élément, c'est le PLU, puisque ces opérations sont des opérations d'ensemble qui ne sont pas traitées comme un terrain qui est un terrain constructible en lui seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas en zone U, qui, elle, effectivement, peut se retrouver soumise à l'inflation. Mais par contre, on va être sur des terrains qui sont des terrains d'aménagement, ce qu'on appelle d'aménagement groupé, donc un ou deux AU, qui sont des zonages qui prévoient effectivement le développement d'opérations dans le temps. Et ces zones-là, en fait, ne peuvent pas être mises sur le marché aussi simplement que ça. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui voudrait vendre une zone 1 AU ou 2 AU, il faudrait qu'il la vende à un opérateur groupé. Un opérateur qui fait une opération d'ensemble. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver et dire je vais découper un petit morceau et puis vendre cette parcelle-là. Donc ça nous permet de le maîtriser dans le temps. Et puis, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on essaye de travailler avec... parce que c'est compliqué aussi pour les personnes qui sont propriétaires actuelles, puisqu'il faut qu'ils aient de la visibilité sur le fait de devoir céder le foncier alors, dans les négociations qui sont engagées. Donc on essaie aussi de tenir compte, et c'est notamment le cas pour une des deux indivisions, on essaie de tenir compte des projets qu'ils ont eux-mêmes sur une partie des terrains. Là, en l'occurrence, il y a une indivision qui a un projet de réaliser quelques maisons pour garder en famille ou autre. Et ça, ce sont des choses qu'on arrive à intégrer, à travailler avec eux. Donc voilà, c'est vraiment du travail de terrain, du travail du quotidien qui a à faire avec eux. Merci. Je vais passer au vote. Donc je vais faire ZAC par ZAC. Pour la Clos du Bocage, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Pour la ZAC de la Corbinière, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 5. Merci. Sur la ZAC de la RIA, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, excusez-moi. Des abstentions. 5. Et donc pour. Merci. Je vais passer la parole à Mme Creuil-Barreau pour les rapports annuels. Je m'excuse, mais je passe aux toilettes. Rapport annuel d'activité 2020-2021 du casino en annexe 4. Le 21 novembre 2016, le renouvellement de la concession de service public pour l'exploitation du nouveau casino a été fixé pour une durée de 20 ans à compter du 1er novembre 2018. En application des dispositions réglementaires, la SAS du Casino du Môle, délégataire, a produit le rapport d'activité pour la saison 2020-2021 du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, relatif aux conditions d'exécution de la délégation. Outre la présentation de la société Partouche et des conditions administratives d'exploitation des jeux, le rapport intègre notamment un compte-rendu financier et une annexe relative à la qualité du service. Le casino emploie 77 salariés. Il convient de préciser que les deux derniers rapports d'activité s'avèrent particuliers avec une fermeture liée à la crise sanitaire de 3 mois et 8 jours sur l'exercice 2019-2020 et 7 mois et 11 jours sur 2020-2021. Compte rendu technique. Les jeux. Le produit des jeux de l'exercice 2020-2021, produit réel des machines à sous et autres jeux, a atteint 7 852 840 euros contre 13 306 704 euros à l'exercice précédent. L'activité enregistre ainsi une baisse de 41% liée à la fermeture du casino. Le versement global pour la commune s'est élevé à 500 448 euros sur cette période. 1 035 461 euros au cours de l'exercice précédent. Restauration et bar.
le restaurant Le Trèfle génère un chiffre d'affaires hors taxe de 388 685 euros, soit une baisse de 40% en comparaison avec l'an passé. Pour le bar, le chiffre d'affaires hors taxe s'élève à 152 437 euros contre 307 094 euros en 2019-2020, soit une baisse de 50%. Compte rendu financier. Sur le produit des jeux, la part relative au prélèvement de l'État représente 2 118 784 euros, tandis que le prélèvement communal total s'élève à 500 448 euros. Le coût administratif 2021 de la ville fait état d'une recette totale de 550 675 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, période de référence différente du rapport annuel du casino et compensation depuis 2015 attribuée par l'État. Les recettes de la ville du site de jeu du casino baissent de 39% au 31 décembre 2021 par rapport à l'exercice précédent. Les comptes annuels de la société font ressortir un chiffre d'affaires hors taxe de 5 296 429 euros, soit une baisse de 38%. Le résultat comptable net, après déduction de la participation des salariés et de l'impôt sur la société, est de moins 90 136 euros, contre 973 136 euros en 2020. Activité d'animation. Le délégataire assure également des activités d'animation de deux ordres. Animation musicale au sein de l'établissement pour 60 524 euros et aide consentie aux associations locales. La contribution annuelle du casino au développement touristique et culturel ainsi qu'à l'animation touristique de la station s'est élevée à 89 037 euros, article 18 de la Convention. La commission des finances réunie le 2 juin 2022 a pris acte de ce rapport. Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport annuel d'activité 2020-2021 du casino. Merci. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Ah ben non, on prend acte, excusez-moi. On passe aux délégations de services publics du Golfe. Délégation de services publics du Golfe et du service d'accueil de congrès, séminaires, formations, rapport d'activité 2021, tout est en annexe 5. La ville de Pornic a confié à la société Blue Green l'exploitation du golf public et du service d'accueil de congrès, colloques, séminaires, formations, manifestations culturelles et réceptions au sein du complexe touristique et d'accueil du golfe de Pornic au 1er janvier 2013 pour une durée de 12 ans, expirant au 31 décembre 2024. Les rapports techniques et financiers de l'année 2021 font apparaître un montant total de recettes d'exploitation de 1 402 608 euros, 1 231 424 euros en 2020, soit plus 14%. Un montant total de dépenses d'exploitation de 1 307 886 euros, 1 307 230 euros en 2020. Un excédent de 221 113 euros avant l'imputation des frais de support contre 64 249 euros un an plus tôt. Un résultat net de 94 722 euros pour l'exploitant qui gère à ses risques et périls contre un déficit de 75 806 euros en 2020. La ville a bénéficié d'une redevance forfaitaire d'un montant global de 141 460 euros TTC en 2021, 117 295 euros en 2020. La commission consultative pour l'affermage et la gestion du golf réunie le 31 mai 2022 et la commission des finances réunie le 2 juin 2022 ont pris acte de ce rapport. Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport annuel d'activité 2021 de la délégation de services publics du golf et du service d'accueil de congrès, séminaires, formations, manifestations culturelles et réceptions. Merci. Y a-t-il des questions ? Je prends acte. Merci. Donc, marché d'apprivoisement, ce sera la dernière année d'ailleurs. Délégation de services publics des marchés d'approvisionnement, rapport annuel d'activité 2021 en annexe 6. La SOGEMAR, délégataire de la ville pour l'exploitation des marchés d'approvisionnement depuis le 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2021, a présenté son dernier rapport d'activité pour l'année 2021. Celui-ci concerne principalement la gestion des droits de place des trois marchés hebdomadaires de Pornic, La Birochère et Sainte-Marie, ainsi que les autres occupations du domaine public, fêtes foraines, marchés nocturnes, braderies. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 91 817,89 euros TTC, les charges d'exploitation à 77 009,10 euros
pour un résultat d'exploitation de 14 808,79 €. La redevance forfaitaire de base versée à la ville s'élève à 24 494 € et la redevance complémentaire est de 8 818,07 € au titre d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions du contrat, soit un total de 33 312,07 €. La commission des finances réunie le 2 juin 2022 a pris acte de ce rapport. Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du rapport annuel d'activité 2021 de la délégation de services publics des marchés d'approvisionnement. Merci. Y a-t-il des interventions ? On prend acte donc de ce rapport de la SOGEMAR. On va ouvrir le chapitre des finances avec le budget général, compte de gestion et compte administratif pour l'exercice 2021 avec l'affectation de résultats en annexe 7. Je laisse la parole à Madame Hugues pour le compte de gestion. Donc, le premier élément, c'est le compte de gestion. Donc, les résultats du compte de gestion établi par le comptable de la commune sont conformes aux résultats du compte administratif. La commission finances réunie le 2 juin a constaté l'identité des résultats et donc le conseil municipal est invité à en délibérer et constater l'identité des résultats entre le compte de gestion du budget général 2021 établi par le percepteur et le compte administratif. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là ? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Opposition ? Tout le monde est pour ? Merci. Donc avant de passer la présidence donc à Mme Clairu, pour être conforme à l'article 21-21, dans la séance du compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Donc je vous propose de nommer Mme Hugues, première adjointe présidente de l'assistance, pour cette discussion, et je me retirerai au moment du vote. Avant de laisser la parole à Claire Hugues, une intervention. Donc, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, avant de céder la parole à la première adjointe qui vous présentera le compte administratif de l'année 2021, je souhaiterais en quelques mots dresser le bilan de cette deuxième année de mandat. Dans la continuité de l'année 2020, l'année 2021 a été marquée par les conséquences de la crise sanitaire. Outre les mesures et confinements du printemps, c'est l'ensemble de nos activités, de nos projets qu'il a fallu adapter dans un contexte inédit où nombre de nos repères ont changé. Les besoins de nos concitoyens évoluent en matière de services, de mobilité, de logement, de proximité, d'environnement, de dialogue, et les contraintes du territoire qui nous accueille sont de plus en plus fortes. Nous nous sommes appliqués tout au long de cette année 2021 à intégrer les nouveaux facteurs. Ils ont nourri nos réflexions sur la révision du plan local d'urbanisme, alimenté le travail engagé sur la centralité dans le cadre du dispositif Petite Ville de Demain et irrigué chacun des dossiers que nous avons poursuivis et ou ouverts en 2021. L'année 2021 a par ailleurs été marquée par l'engagement ou l'achèvement de projets que nous avions souhaité inscrire dans notre mandature et dans cet exercice budgétaire en particulier. Ainsi, il en est de la nouvelle salle du Quillon dénommée salle Joséphine Baker, dont les travaux se sont poursuivis et qui est désormais achevée et réceptionnée. Les premiers utilisateurs ont pu se réjouir de la qualité de ce bel équipement. Les travaux de rénovation d'une aile du relais Saint-Gilles ont été menés et achevés en 2021, ainsi que l'extension prévue sur le cimetière de Sainte-Marie et divers travaux de voirie en zone agglomérée et en zone rurale. Les travaux de restauration de l'église de Sainte-Marie et de construction du bâtiment de la liaison dite Passage du Rocher et de la transformation du cinéma Saint-Gilles en théâtre ont débuté et se poursuivront tout au long de l'année 2022. Au cours de l'année écoulée, nous avons également engagé une restructuration complète de nos systèmes d'information afin de doter nos services publics de moyens performants à la hauteur de nos besoins de modernisation et de dématérialisation. Ce travail d'audit s'est poursuivi et donnera donc lieu à une action d'une ampleur similaire pour nos trois écoles au cours des prochains exercices. En 2021, nous avons également œuvré au chantier des prochaines années et travaillé avec bureaux d'études et maîtres d'œuvre à la préparation des futures réalisations, notamment la construction d'une cuisine centrale, l'extension du système de vidéoprotection, la requalification du cimetière de Pornic, la création d'une tribune sur le stade d'honneur du Val-Saint-Martin, la reprise de voirie de la corniche du Porto et de la corniche de Gourmalon, ainsi que du quartier du Chavut et la rénovation de la salle actuelle du Clion. Dans un contexte mouvant et parfois incertain, les élus et services ont redoublé d'efforts pour mener de front ces réflexions de fond. L'activité courante des services et la mise en œuvre des projets majeurs de cette mandature, accompagner et soutenir les publics fragiles, acteurs locaux mis en difficulté par la crise sanitaire. Qu'ils soient remerciés pour leur engagement et leur investissement quotidien, tout particulièrement lorsqu'ils s'y ajoutent des difficultés à pourvoir des postes requérant une certaine technicité. Je tiens aussi à souligner et saluer le rôle important des bénévoles et des associations que notre collectivité a soutenu tout au long de cette crise et qu'elle continue et continuera à soutenir de manière forte dans son retour à la vie normale.
À l'issue de cette année 2021, je suis fier de pouvoir vous dire que notre collectivité s'est montrée à la hauteur des enjeux et des nouveaux défis rencontrés, comme vous l'exposera Claire Hugues au cours de cette séance. Malgré les inquiétudes que suscite une inflation élevée, notre saine gestion budgétaire nous permettra d'aborder sereinement les années à venir et d'offrir aux Porniquais la ville à laquelle ils aspirent, à la fois active, humaine, apaisée et solidaire. Et donc je me retire pour laisser la présidence à Madame Hugues. Non mais il a, si tous sont allumés, il va y avoir un problème. Il marchait il y a 5 minutes. Donc. C'est pénible. Ouais, c'est assez pénible. Donc le compte administratif 2021 retrace l'ensemble des comptes budgétaires de la ville et donne résultat de la gestion afférente à cet exercice. Il est proposé au conseil municipal de donner quitus au premier magistrat de la ville au regard de l'ensemble de ses comptes. Compte tenu de la crise de la Covid-19, il convient de préciser que certaines comparaisons ou variations peuvent s'avérer complexes compte tenu des mesures particulières prises au cours de ces deux dernières années. On peut citer les manifestations annulées, des aides exceptionnelles ou des fermetures. L'analyse synthétique du compte administratif 2021 fait ressortir les observations suivantes. Une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 4,52% par rapport à l'exercice 2020 pour se situer à 21 657 987,23 €, majoritairement due à l'augmentation des recettes provenant de la fiscalité directe et indirecte et à la hausse des droits de mutation. Les recettes fiscales issues des ménages, donc taxes d'habitation, taxes foncières bâties, non bâties, s'établissent à 9 951 538 €, en progression de 8% en un an, soit plus 743 000 € en valeur. Après retraitement, cela s'explique par la revalorisation annuelle des bases décidée lors de la loi de finances de 0,20% et de la hausse des bases fiscales résultant de nouvelles constructions, réhabilitations ou extensions d'habitation pour 4,10%, puis des compensations de l'État au titre des exonérations de taxes d'habitation pour 3,70% suite à la réforme fiscale. Pour rappel, la loi de finances a notamment prévu pour les communes la suppression de la taxe d'habitation sur les locaux à usage d'habitation principale par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties. Par ailleurs, sur la même période, il faut relever une augmentation à nouveau significative des droits de mutation, 1 937 220,84 € en 2020 et 2 019 163,20 € en 2021, soit une hausse de 4,23%, résultant à la fois d'un accroissement du prix de l'immobilier et du nombre de transactions. Ceci constitue une part de plus en plus prépondérante des ressources de la ville. Les recettes de la ville issues du produit des jeux du casino diminuent de 901 828 € en 2020 à 550 675 € en 2021, du fait principalement de la fermeture de l'établissement. Des dépenses de gestion constatées à hauteur de 16 812 750,20 € en progression de 8,31% entre 2020 et 2021. Cette variation des charges résulte d'une gestion fidèle aux prévisions des frais de personnel, plus 4,27% en un an, tout en restant à l'écoute permanente des besoins des Porniquais et des besoins nécessaires pour répondre à l'évolution de la crise sanitaire. Les dépenses courantes en forte augmentation de 728 000 €, soit 17,59% en un an, retrouvent leur niveau des exercices 2018 et 2019. Parmi les services qui reprennent une activité classique, il peut être relevé notamment l'organisation des élections, les départementales et régionales, la restauration scolaire, plus 55 000 € et les dépenses liées aux manifestations culturelles. Au niveau technique, la ville de Pornic a accru ses efforts financiers pour l'entretien des terrains, plus 26 000 €, ainsi que pour les fournitures et réparations de voiries, plus 48 000 €. Enfin, sur l'exercice 2021, il a été entrepris un travail conséquent, donc le maire vous en parlait, pour restructurer ainsi qu'actualiser le réseau les parcs informatiques, débuter la mise en œuvre de la réglementation générale sur la protection des données, poursuivre les reprises de concessions dans les cimetières, proposer des formations pour les agents, de nombreuses formations n'avaient pu se tenir en 2020, engager les dépenses liées au fonctionnement du centre de vaccination, remboursé ensuite par l'ARS. Les autres charges de gestion, principalement les subventions aux partenaires de la ville, ont augmenté de 8,9%, soit 170 000 € en valeur,
Cela correspond aux hausses des subventions attribuées aux écoles privées pour un montant de 135 000 euros lié à une progression des effectifs et 90 000 euros pour le CCAS. Je rappelle que c'était pour restructurer afin de mieux répondre aux besoins de la population. Les subventions allouées aux associations ont diminué du fait de la reprise en régie de Pornic Classique ou l'annulation de certaines manifestations. On pense au carnaval, par exemple. L'épargne de gestion, du fait de ces éléments conjugués à une hausse plus rapide des charges que celle des ressources, ressort en baisse de 6,18% par rapport à 2020, en se situant à 5 155 200 euros. Cet indicateur de bonne gestion reste à un niveau élevé et doit permettre à la ville de rembourser ses engagements financiers auprès des établissements bancaires et surtout d'investir sur le territoire. Elle permet à la ville de conserver une marge de manœuvre budgétaire très intéressante pour le futur. L'épargne nette égale à l'épargne de gestion de laquelle on déduit les frais financiers et l'amortissement de la dette se situe à 2 625 800 euros en 2021. Ce niveau d'épargne satisfaisant au regard de la situation budgétaire de la ville provient des efforts de gestion au quotidien effectués par les élus et les services, ainsi que la réduction de l'encours de la dette. Par ailleurs, cela offre la possibilité de financer une partie des investissements avec un recours limité à l'emprunt. Des dépenses d'investissement de 6 092 700 euros en augmentation de 32,53% par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par la reprise de l'économie et de la réalisation progressive des travaux définis dans le programme électoral et retracés dans le plan pluriannuel des investissements. Cela prend en compte des opérations majeures, à savoir, le maire les a évoquées, la nouvelle salle municipale du Clion, la rénovation du relais Saint-Gilles, l'église de Sainte-Marie, la toiture du Val-Saint-Martin, la fourniture et la pose de sanitaire à la Birochère. Et en outre, il y a eu également de nombreux travaux de voirie. Au 31 décembre 2021, la dette s'élevait à 10 637 000 euros, soit un niveau raisonnable avec un ratio de désendettement de 2,13, très inférieur au ratio moyen recommandé pour les communes de la strate de Pornic et quasi équivalent à celui de 2020. Tout en poursuivant sa politique d'investissement conformément à la prospective du mandat en cours et en adéquation avec les capacités des services communaux, la ville conserve un endettement maîtrisé et des marges de manœuvre financières intéressantes pour l'avenir. L'ensemble de ces ratios permettant de mesurer et de s'assurer de la bonne santé financière de la ville sont suivis régulièrement pour analyser et études comparatives avec les autres collectivités de la même strate. Cette gestion au quotidien est sécurisante, notamment pour la réalisation d'un programme ambitieux d'investissement à venir visant à maintenir une forte qualité de vie sur notre commune, mais aussi pour soutenir les personnes, les associations, les commerces de proximité fragilisés par la crise. Et donc la commission des finances réunie le 2 juin 2022 a émis un avis favorable. Et le conseil municipal est invité ce soir à en délibérer et à approuver le compte administratif 2021 du budget général établi par le maire. Maintenant que j'ai exposé cette synthèse, est-ce qu'il y a des interventions ou des questions? Vous faites bien l'honneur, monsieur Rousseau. En fait, j'ai une question concernant la ligne les dépenses courantes, là. Alors, vous notez les dépenses courantes en forte augmentation de 728 000 euros. C'est bien les 17-18% qui correspondent à 728 000 euros. On est bien d'accord. Monsieur Rousseau, juste, désolé. Sur quelle ligne, là? Je ne sais pas, je suis au milieu. Les dépenses de gestion, les dépenses courantes en forte augmentation. C'est ça. Ouais. Donc, c'est la dépense qui... C'est l'augmentation qui est de 728 000 euros. Oui. C'est l'augmentation qui est de 728 000 euros. Et en fait, je voulais avoir une définition de ce que vous appelez les dépenses courantes, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle les dépenses courantes, c'est les charges à caractère général, pour moi, sauf erreur de ma part. Il faudrait que je le reprenne. J'avoue que le texte, on l'a écrit depuis un moment, mais c'est les charges à caractère, c'est ce qu'on appelle les charges à caractère général que vous retrouvez dans la labellisation comptable, que vous retrouvez dans les dépenses, que vous retrouvez en 011. Voilà, chapitre 011, charge à caractère général. Ce que j'ai rappelé ce soir. Ouais. Monsieur Hubert. Oui, non, juste pour dire, toujours, désolé Madame Mariée, mais on va voter pour, donc vous voyez bien qu'on ne s'oppose pas en permanence. Comme j'ai voté pour, parce qu'il s'agit d'un compte administratif et qui vient valider, tout simplement comptablement parlant, le travail de Franck Chauvin, qui fait un excellent travail, et on peut aussi le dire, aucun souci.
Par contre, je radote à chaque fois, et vous le savez aussi, comme vous êtes mon voisin au Conseil d'Agglo, Madame Marié, sur la forme de l'écriture justement des budgets, et toujours sur les budgets annexes. On livre, enfin, on fait construire et on a en charge des équipements qui sont très coûteux. Je pense à la salle du Clion, avec le dépassement doit être à 3 600 000 euros. Je ne comprends toujours pas, alors qu'il y a des collectivités de même strate que Pornic qui font des budgets annexes précisément par équipement, je ne comprends toujours pas pourquoi on se coupe de la possibilité d'avoir une lecture analytique plus fine, comptable, de faire un budget annexe par équipement et de pouvoir suivre les recettes et les charges par équipement chaque année et de prévoir justement les entretiens. Je ne sais plus, je crois qu'on a plus de 90 bâtiments publics ou 99. Le travail n'est jamais fait à chaque fois qu'un nouvel équipement est fait et moi ça m'inquiète pour l'avenir. Alors je vais vous rassurer, Monsieur Bert, c'est pas parce qu'on ne fait pas des budgets annexes qu'on ne fait pas un travail d'analyse. Et ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas. On n'a pas besoin. En fait, là, vous êtes en train de parler d'outils pour faire du contrôle de gestion. Mais on n'est pas obligé de faire un budget annexe pour avoir une analyse et un suivi, ce qu'on fait. Et en plus, ce serait trompé de faire ça, équipement par équipement. Parce qu'on a aussi un certain nombre de charges qui sont mutualisés inter-équipement. Et donc, à un moment, je pense qu'on se noierait dans les détails de ces budgets annexes qui nous prendraient un temps infini. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne fait pas ce travail analytique. Enfin, typiquement, sur cette nouvelle salle du Clion, on est justement en train de prendre le temps de regarder nos analyses de dépenses au départ pour voir si on va bien être dans l'atterrissage prévu. On n'est pas obligé de faire un budget annexe pour faire l'analyse, et c'est ce qu'on fait. Je ne parle pas d'obligation, je parle de bon sens. Et la Chambre régionale des comptes, qui fait un audit actuellement, donne des conseils sur ce bon sens. Et pensez, effectivement, vous êtes depuis 20 ans la même, même plus, la même équipe municipale, mais pensez peut-être à une future équipe municipale. Ça sera un vrai bazar pour reprendre justement cette lecture par équipement. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un budget annexe qu'on n'a pas une analyse. Il existe au sein de la collectivité un ensemble d'outils de gestion et de suivi des dépenses, des tableaux de bord, des suivis divers et variés, puisque là, on travaille assez grossièrement dans notre rôle d'élu là, sur le compte. Mais ensuite, on a des découpages par fonction. Et donc, en fait, on peut avoir, on a ce travail dans le détail. Donc, il n'y a pas de problème de reprise. Et on verra bien deux confrontations de points de vue. Si vraiment, c'était quelque chose qui était avéré comme manquant à la collectivité pour bien suivre son budget, la CRC nous le dira, entre guillemets, mieux que vous et moi. Et dans ces cas-là, eh bien, si c'est un bon conseil, on le suivra. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un budget... C'est ce que j'essaie de vous faire entrer. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas un budget annexe qu'on ne suit pas sur un certain nombre de thématiques où on en est, et on n'est pas obligé de faire un budget annexe pour faire un bon contrôle. Mais bien sûr, c'est deux points de vue, hein, je vous l'accorde. Vous suivez, nous, on n'a pas les outils pour suivre comme vous suivez. Donc c'est tout, mais c'est pas, il n'y a pas de souci. C'est le principe d'être dans l'exécutif. Voilà, exactement. Bien résumé. Pardon, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres interventions? Bon, bah, monsieur le maire, on vous met dehors. Vous avez... Bien, donc du coup, je soumets à délibération l'approbation du compte administratif 2021 du budget général. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, s'il y a quelqu'un qui peut aller chercher le mercredi, pas de bien loin. Donc, le compte administratif a été adopté à l'unanimité et je vous rends votre présidence. Merci et merci pour votre confiance. Le bilan des acquisitions mais en chapitre... On n'est pas rendu si loin dans le conseil. Il faudrait que je reprenne la main pour l'affectation des résultats. Affectation des résultats. J'ai tourné la page avant. Autant pour moi. Donc je continue. Donc, l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2021 représente 8 147 544 euros et 68 centimes, constitué à hauteur de 4 811 729 euros 87 centimes du report de fonctionnement de l'exercice 2020, de 3 335 814 euros et 81 centimes du solde positif des opérations de l'exercice 2021. Vous avez le détail des recettes et dépenses. Le résultat de la section d'investissement se présente comme suit. Résultat d'investissement 2021 égale 556 445 euros et 1 centime
donc qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. C'est le résultat d'investissement reporté de moins 277 464,93 €. L'excédent de financement de la section d'investissement est de 278 980,08 €. Donc on vous présente le calcul. Le solde des restes à réaliser est de moins 4 877 537,66 €, constitué par l'écart des dépenses et des recettes de nouveau. Il est donc proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de 8 147 544,68 € comme suit. En investissement sur le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé 4 599 000, et en fonctionnement chapitre 002, résultat de fonctionnement reporté en recette de fonctionnement 3 548 544,68 €. La commission des finances réunie le 2 juin 2022 a émis un avis favorable à ces propositions. Le conseil municipal est donc invité à en délibérer et à approuver l'affectation du résultat 2021 du budget général tel que proposé ci-dessus. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci à l'unanimité. Le BS 2022, je repasse la parole à ma vie. Et vous aviez ce budget supplémentaire 2022 du budget général en annexe numéro 8. Donc en fonctionnement, la reprise de l'excédent de fonctionnement 2021 de 3 548 544,68 €, cumulé aux ajustements de recettes complémentaires intervenus depuis le vote du budget primitif de 575 000 €, principalement une recette de fiscalité locale nouvellement notifiée par la Direction générale des finances, des compléments de redevances des délégataires et la perception d'un loyer pour la mise à disposition de locaux au profit des services de la communauté d'agglomération, permet de couvrir les charges nouvelles de fonctionnement pour 533 853 €, constituées en majeure partie de crédits complémentaires pour les frais annexes au projet de création de la cuisine centrale de Kerlor, pour l'accompagnement organisationnel et des locations de matériel, l'augmentation des coûts de l'électricité et des carburants, l'aide aux associations et l'ajustement des frais de personnel. Il en résulte un virement de 3 589 691,68 € en section d'investissement. En investissement, le budget supplémentaire entérine la reprise des reports de l'exercice 2021, le virement de la section de fonctionnement issu notamment de l'excédent du compte administratif et ajuste les crédits budgétaires des différentes opérations au regard des réalisations prévisionnelles de l'exercice 2022 et des nouvelles décisions intervenues depuis le vote du BP 2022. Le budget supplémentaire va finaliser les objectifs de l'exercice en cours tout en réajustant l'endettement et en conservant des marges de manœuvre financières pour la programmation des investissements futurs. Vous avez ensuite temps de parole par personne et c'est le micro qui gère. Ouais, c'est ça, il y a des temps de parole par élu. Et c'est le micro qui décide des temps de parole par élu. Oui, c'est ça, je trouvais pas. Non, l'objectif de vous remontrer l'articulation globale du budget, c'était aussi de montrer qu'on a cet équilibre section de fonctionnement et section d'investissement, et vous me pardonnerez de ne pas tout vous lire, les chiffres. La commission finances réunie le 2 juin 2022 a émis un avis favorable et donc le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver le budget supplémentaire 2022 du budget général. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Gare. On n'a pas le détail, j'ai l'impression, dans la note de synthèse, du budget supplémentaire. Jamais. Ligne par ligne, non, jamais. Non. En fait, le détail sous forme de tableau, on s'en sert, puisque ça n'a pas de valeur réglementaire. En fait, nous, c'est un document qu'on produit pour la commission finances. Pour qu'on puisse avoir justement une discussion éclairée. Cette présentation sous forme de tableau, ligne à ligne avec le détail, on le fournit pour la commission finance et au moment du vote, on fournit la maquette du budget comme on le fait pour le budget général. D'accord. Mais du coup, comme je l'ai bien en mémoire, Madame Marié, je vais poser deux questions. Vous l'aviez reçu en pièce annexe. Oui. Oui, bien sûr. J'ai deux questions parce que je me souviens justement vous avoir demandé. Mais je crois que vous étiez là aussi en commission finance, d'avoir demandé effectivement une subvention, je crois, pour le club nautique de Pornic de 15 000 €.
Et j'avais pas trop compris en fait la réponse parce que vous m'avez dit effectivement que c'était la subvention au titre de la subvention d'équipement annuel qui est prévue tous les ans par votre convention, qu'on va voir après, mais que vous ne saviez pas si cette somme avait été utilisée et qu'à ce titre vous préfériez la remettre. Voilà. Donc c'était pour savoir si vous aviez retrouvé la traçabilité de cette somme. Première question. Et la seconde question, je pense que c'est M. Gris qui est plus à même, parce qu'il suit très bien ses commissions, et il est question du budget supplémentaire de la voie VC2 qui relie le lycée au Clion. De mémoire, je crois que c'était 960 000 euros qui ont été inscrits, et je pense que tu as un avis à donner sur le montant de cette ligne. Oui, j'avais évoqué le fait que ça paraissait peu au regard de la longueur de la voie, hein, parce qu'il y a presque 4 km, hein, et la fonctionnalité de la voie, puisque c'est une voie quand même très fréquentée par tout type de personnes, parce qu'elle sert à la fois de liaison du pont du Clion, mais aussi des gens qui viennent de Chauvet, de plus loin, et qui viennent par tout type de véhicules, hein, que ce soit des camions, des cars, des vélos. Et puis, il y a quand même de la population qui vit autour. Donc, c'est aussi des piétons, etc., qui circulent. Et du coup, moi, j'avais évoqué le fait que 900 000 euros pour aménager 4 km de route, sachant que toutes ces fonctionnalités doivent se croiser, ça paraît peu. Quand on voit qu'on a mis un budget de plus de 200 000 euros sur une piste cyclable qui est en cours de finition entre le chaudron et la zone de l'hôpital, qui est quand même beaucoup plus courte. Et il faut aussi que cette route s'adapte. Et c'est là qu'il y a aussi des fonctionnalités agricoles, par exemple, hein, parce qu'il ne s'agit pas que les engins agricoles ne puissent pas accéder aux champs attenant à la route. Donc, sans plan, sans rien, on met un chiffre, mais on ne sait pas ce qu'on a derrière. Quoi. Isabelle, tu réponds sur le VC2, puis après Claire sur le... Alors, concernant la VC2, effectivement, Monsieur Gris, je vous rejoins sur l'utilisation de cet accès qui est multiple. Comme vous l'évoquez, effectivement, il n'y a pas que les voitures, il y a des piétons, il y a des agriculteurs aussi qui l'empruntent beaucoup. Et ça, je partage tout à fait ce que vous évoquez. Et simplement, je vous confirme que nous y avons pensé. Donc, c'est une très bonne nouvelle, ça va vous rassurer. De plus, je ne sais pas qui est dans la commission travaux. C'est M. Rousseau ou c'est vous, M. Gris ? Donc, c'est M. Rousseau. Donc, lorsque nous avons une commission travaux qui est prévue le 27 juin et nous avons le plaisir de faire le point de tous les projets et nous évoquerons la VC2, mais je peux vous rassurer que de toute façon, il y a un tapis qui est refait, il y a les suppressions des dodanes qui vont être faits et que nous avons pensé à l'utilisation multiple de cet axe qui est un axe principal et je partage tout à fait. Donc, nous ferons un point, une présentation de ce projet. De ce projet, de cette action qui est mise en place, hein, puisque les travaux ont commencé. Hein, ils vont commencer à quelle période, Rémi, pour rappel ? Oui. Voilà. C'est dans les jours à venir. Donc, c'est la raison pour laquelle la commission va évoquer cet axe. Merci, Claire. Du coup, mon inquiétude, c'était justement de faire cohabiliter la mobilité douce, notamment en sécurité, notamment tous les jeunes, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pistes cyclables dédiées, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de chemin sécurisé. Enfin, comment on fait pour sécuriser piétons, vélos? Il y a un axe piéton qui est prévu, nous y avons pensé. Lorsqu'on crée ou qu'on rénove ou qu'on améliore des axes, on privilégie toujours tout ce qui est circulation douce, sécurité piétonne. Dans tous les projets, il y a toujours cet axe-là. Après, il est certain, M. Grignan, il ne faut pas lever les yeux au ciel, il est certain qu'on essaye de faire avec ce qu'on a. Si on a une voie très large, c'est plus facile, si on a une voie très étroite. Mais ne dites pas qu'on n'y pense pas, ce n'est pas vrai.
Donc on vous présentera. Non, mais Monsieur Gris, levez les yeux au ciel, c'est pour ça. Non, au niveau du piéton. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je devance votre pensée. En tout cas, c'était juste sur le montant alloué, hein, c'est tout. Montant 260 000. Oui, parce que de toute façon, on est sur une question budgétaire. Donc, restons sur le budget et ne faisons pas une commission de travaux. Là. 260 000. Mais la commission de travaux vous précisera tout ça. Et on se voit dans quelques jours. Sur le club nautique. Effectivement, j'avais expliqué à la commission. Enfin, on a eu quelques mois un petit peu perturbés au niveau des finances avec l'absence de notre directeur. Donc, effectivement, j'avais expliqué à la commission finances que on avait un petit souci à retrouver dans les budgets les 15 millions dont on va parler après. 15 000 euros. Excusez-moi. C'est à force de dire des millions. Ouais, il y a certainement un peu de fatigue dans ce conseil municipal qui des fois ressemble à des commissions, mais bon. Et effectivement, il y avait un problème d'imputation. Donc, en fait, on avait pris le parti de dire on les inscrit, les 15 000, parce que vaut mieux avoir, entre guillemets, trop de crédits d'inscrits qui sont, sous-entendus, ils ne seront pas dépensés, plutôt que de ne pas avoir de crédit, ce qui nous aurait empêché de verser cette subvention au club nautique. Mais en fait, entre-temps, ils ont effectivement été retrouvés. Ils n'étaient pas sur les imputations sur lesquelles on les recherchait. Donc, en fait, on va avoir 15 000 euros qui ne seront pas dépensés. Enfin, le process de préparation des conseils était parti. Donc, du coup, c'est, dans l'absolu, ce n'est pas très grave. Ils seront dans les budgets, pas dépensés. Merci. Est-ce que je n'ai pas dû être très clair? Ils étaient dans les budgets. En fait, on n'aurait pas dû... Je veux savoir si le Trésor public a versé les 15 000 euros. Non, on est en train d'écrire un budget, en fait. On n'est pas en train de payer. Je sais bien, mais... Non, ils n'ont pas été payés, parce que... C'est une subvention qui... C'est l'objet de la délibération d'après. Je sais, mais c'est une subvention... On ne peut pas payer sans la délibération d'après. C'est pour ça qu'on repasse une délibération, parce que le Trésor public veut qu'on les paye. Pour les payer, il veut cette délibération, c'est pas... Ok. Mais comme c'est du budget... Je comprends mieux votre question. C'est compris. C'est du budget supplémentaire. On ne remet pas 15 000 euros de plus au club nautique. C'est du budget supplémentaire et comme la convention qui va passer après n'est pas passée en commission moyen associatif, on a vraiment l'impression que c'est... Oui, qu'on rajoute. Ah bah oui, non, on ne rajoute pas. On rajoute pas du tout les 15 000 euros. Ben non, mais après, on aurait quand même... Je ne pense pas qu'on soit malhonnête. Je ne vous aurais pas vendu du vent. La malhonnêteté, on peut s'y perdre. Non, mais je vous confirme officiellement qu'effectivement, on n'avait pas l'inscrit... On n'arrivait pas à retrouver la trace de ces 15 000 euros dans les écritures budgétaires. On les a retrouvées depuis, donc on aurait pu s'affranchir de mettre ces 15 000 au budget supplémentaire. Et par contre, on a un réel problème, c'est qu'on n'a pas la bonne délibération qui nous permet au CNP de lui verser. Donc au bout du compte, on versera bien au CNP. Quand on aura fini de délibérer tout ça, on versera bien 15 000 euros et uniquement 15 000 euros. Merci. Sur ces investissements. Merci. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 5 abstentions. Il reste pour. Merci. Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021. Donc vous aviez les éléments sur l'annexe numéro 9. Donc comme chaque année, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice clos réalisé par la ville dans le cadre de l'examen du compte administratif du budget général. La commission finance réunie le 2 juin a pris acte de ce bilan et donc le conseil municipal est invité à en délibérer et prendre acte du bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières. Merci. Y a-t-il des questions ? Je passe au vote. Ce qui est des... Ah, c'est pris acte, excusez-moi. Je passe la parole à Mme Van Gotem pour les tarifs PAC partenaires. Tarifs PAC partenaires, liste en annexe numéro 10. Dans le cadre de ces grands événements, la ville de Pornic propose à des partenaires privés de s'associer à ces différentes manifestations par l'acquisition de packs de partenariat. Ces participations forfaitaires permettent aux partenaires potentiels des actions de communication. La composition des packs et leurs tarifs sont joints en annexe. La commission finances réunie le 2 juin 2022 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver les packs proposés aux partenaires privés dans le cadre de l'organisation des grands événements de la ville de Pornic, fixer les tarifs de ces packs comme indiqué en annexe. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui. La commission finance a émis un avis favorable. Il s'avère que c'est Mme Van Gotem qui ne devait pas passer en commission économie locale.
On est sur les tarifs et c'est vrai qu'on les passe. Ah oui, c'est uniquement les tarifs. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Opposition ? Merci. La commande publique, avec l'adhésion au groupement de commande pour la passation et l'exécution d'un marché public d'achat et de fourniture d'énergie. Donc, je passe la parole à Mme Hugues. Et donc, les éléments étaient en annexe 11. Donc, depuis le 1er juillet 2007, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux dispositions du Code de l'énergie, les consommateurs d'électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. Le SIDELA, dont Pornic est adhérente, va lancer un accord cadre à marché subséquent pour l'achat et la fourniture d'énergie qui débutera au 1er juillet 2023 pour le gaz naturel et au 1er janvier 2024 pour l'électricité. Dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion des deniers publics, la commune souhaite renouveler son adhésion au groupement de commandes pour la passation et l'exécution du marché public précité, dont le SIDELA est coordonnateur. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention constitutive qui était jointe en annexe. Les marchés publics de gaz naturel et d'électricité contractés par la ville sous l'égide de la CELA arrivent à terme au 30 juin 2023 pour le gaz naturel et 31 décembre 2023 pour l'électricité. La commission des finances réunie le 2 juin a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver la dissolution des groupements de commandes pour l'achat d'électricité et de gaz naturel, de fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique auquel la commune avait adhéré. Adhérer au groupement de commandes pour la passation et l'exécution d'un marché public d'achat et de fourniture d'énergie. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation et l'exécution d'un marché public d'achat et de fourniture d'énergie annexé à la présente délibération et autoriser le représentant du coordinateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à l'exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune. Merci. Y a-t-il des questions ? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Opposition à l'unanimité ? Merci. Constitution d'un groupement de commandes pour l'accès à la téléphonie fixe et à la téléphonie mobile et aux accès télécom et Internet. Et donc, ces éléments, vous les aviez en annexe 12, donc toujours dans un souci d'optimisation, de gestion et de rationalisation de la commande publique, la commune de Pornic, la communauté d'agglomération Pornic Agglo-Pays de Ré et ses communes membres proposent la constitution d'un groupement de commandes en vue d'achats relatifs à l'accès pour la téléphonie, la téléphonie mobile, l'accès à télécom et Internet. Les achats se feront via la centrale d'achat RESA auquel le coordinateur du groupement Pornic Agglo-Pays de Ré va adhérer. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention constitutive jointe en annexe. Cette convention est soumise dans les mêmes termes à l'approbation du conseil municipal de chaque commune membre du groupement et du bureau communautaire de Pornic Agglo-Pays de Ré. La commission finance réunie le 2 juin a émis un avis favorable. Et donc le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver la création d'un groupement de commandes entre la communauté d'agglomération Pornic Agglo-Pays de Ré et ses communes membres pour l'accès à la téléphonie fixe, téléphonie mobile, accès à télécom et Internet, décider d'adhérer au groupement de commandes, approuver la convention constitutive du groupement de commandes coordonnée par la communauté d'agglomération Pornic Agglo-Pays de Ré et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer cette convention constitutive. Merci. Y a-t-il des questions ? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Opposition ? À l'unanimité. Merci. Subvention aux associations. Je vais passer la parole à Mme Croque-Vieille-Barreau pour le Club Nautique. Subvention au Club Nautique de Pornic, annexe 13. Lors du vote des subventions aux associations le 26 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé la convention de partenariat passée avec le Club Nautique de Pornic pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. Afin de permettre le versement des subventions prévues dans cette convention, il est nécessaire qu'elle apparaisse dans la délibération votée chaque année par le Conseil municipal. Or, celles-ci n'ont pas été reportées dans celles octroyant les subventions aux associations pour l'année 2022, approuvées au Conseil municipal du 6 mai dernier. Aussi, à la demande du Trésor public, il est nécessaire de reprendre une délibération pour permettre le versement des subventions accordées au Club Nautique. Par conséquent, il est proposé d'attribuer au Club Nautique de Pornic une subvention d'investissement de 15 000 euros, une subvention de fonctionnement de 50 900 euros, une subvention de 1 800 euros par manifestation, et une subvention ponctuelle de 1 500 euros pour le soutien d'un projet sportif de haut niveau aux conditions indiquées dans la convention. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver le versement des subventions citées dans la convention de partenariat passée
avec le club nautique, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les pièces nécessaires au versement de ces subventions. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Opposition? À l'unanimité. Merci. On va passer donc au chapitre 6, les ressources humaines, avec la convention de partenariat entre les communes de Pornic et de la Bernerie pour le coordonnateur des maîtres nageurs sauveteurs. Je passe la parole à Mme Hugues. Donc vous aviez cette convention en annexe 14. Donc on rappelle que pour assurer la surveillance des plages, les communes de Pornic et la Bernerie recrutent des maîtres nageurs sauveteurs en s'appuyant sur l'accompagnement et l'expertise de la SNSM. Et donc 18 maîtres nageurs sauveteurs à Pornic et 5 à la Bernerie Henri. Ces nageurs sauveteurs sont encadrés par un chef de secteur commun recruté par la ville de Pornic, dont le salaire et les frais de fonctionnement sont mutualisés entre les deux collectivités. Et donc, il est proposé de passer une convention afin de prévoir les modalités de partenariat entre les deux communes pour le financement du poste de chef de secteur coordinateur des maîtres nageurs sauveteurs, donc des communes de Pornic et de la Bernerie Henri. Les modalités de ce partenariat sont définies dans la convention jointe en annexe. La commission des finances réunie le 2 juin a émis un avis favorable. Et le conseil municipal est invité à en délibérer et à approuver la convention de partenariat entre les communes de Pornic et de la Bernerie-en-Ré et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette convention. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Opposition? Merci à l'unanimité. Le régime indemnitaire avec la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel, le CIA, pour 2022. Donc on rappelle que par délibération du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a institué le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP, du personnel de la ville de Pornic, que celui-ci se décompose d'une indemnité liée aux fonctions, aux suggestions, à l'expertise IFSE versée mensuellement et d'un complément indemnitaire annuel, le CIA, tenant compte de l'engagement professionnel, de la manière de servir versée annuellement en fonction de la capacité budgétaire à dégager une enveloppe financière significative. La période de référence pour le versement du CIA est l'année civile N-1. Il appartient au conseil municipal de fixer le montant de ce complément conformément aux dispositions de la délibération susmentionnée. Il est donc proposé de verser la somme de 200 euros bruts pour l'année 2022 aux agents bénéficiaires suivant les modalités d'attribution définies dans cette même délibération. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022 au chapitre 12. Le comité technique réuni le 9 juin 2022 a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et fixer à 200 euros brut le montant du CIA pour un agent travaillant à temps complet. Ce montant sera proratisé selon le temps de travail des agents bénéficiaires et versé en une seule fois avec le traitement du mois de juillet. Autoriser monsieur le maire à procéder aux attributions individuelles par voie d'arrêté, considérant l'évaluation de la manière de servir au cours de l'année de référence 2021 et suivant les dispositions fixées par la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2016 instituant le RIFSEP. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Opposition? À l'unanimité. Merci. L'actualisation du tableau des effectifs. Et donc, vous aviez ce tableau des effectifs réactualisé en annexe numéro 15. Et afin de prendre en compte les besoins au sein des services, les promotions internes, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs par la création et la suppression de postes dont le détail figure en annexe. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022 au chapitre 012. Le comité technique réuni le 9 juin 2022, a émis un avis favorable. Le conseil municipal est invité à en délibérer et procéder aux suppressions et créations de postes telles que proposées en annexe et modifier le tableau des effectifs en conséquence. Merci. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Opposition? Donc à l'unanimité. Merci. Le chapitre 7, dénomination de voix. Je vais passer la parole à Mme Van Gothem. Dénomination de voix et place, annexe numéro 16. La ville a engagé une action sur la dénomination des voies ou lieux-dits qui portent les mêmes noms sur le territoire de la commune pour remédier aux nombreux inconvénients rencontrés par les riverains lors de la distribution du courrier, les livraisons, les visites des professions médicales et surtout les interventions des services de secours et d'urgence. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle dénomination de la rue de l'Église à Pornic, la place de l'Église à Sainte-Marie et la place de l'Église au Clion. Il est proposé de dénommer la rue de l'Église à Pornic, rue de l'Église de Pornic, la place de l'Église à Sainte-Marie-sur-Mer, place de l'Église de Sainte-Marie,
la place de l'église au Clion-sur-Mer, place de l'église du Clion. La commission urbanisme, réunie le 7 juin 2022, a émis un avis favorable à ces propositions. Le conseil municipal est invité à en délibérer et approuver les trois dénominations ci-dessus. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Bert. Oui, alors non, ce n'est pas sur les dénominations de voix, parce qu'on va voter pour. C'est juste que j'ai noté 17 points à ce conseil qui a été très assommant et qu'on a voté contre un seul point, madame Marier. Très bien. Donc c'est une opposition très molle et on va y remédier. Je vais passer au vote, si vous êtes d'accord. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci à l'unanimité. Avant de fermer, donc remercier bien sûr l'ensemble des services pour l'accompagnement et le travail qui est fait au quotidien au service de notre commune et au service de nos assemblées. Et donc l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vois que pour ceux qui le souhaitent, il y a un petit rafraîchissement, comme la coutume le voulait avant le Covid. Donc si vous vous êtes invité, un rafraîchissement si vous le souhaitez.